tout le monde, comment ça va? On se retrouve ce soir pour le stream sur Star Citizen. Et aujourd'hui, il va y avoir du sport. Rien que ça. Oui, en fait, je rappelle que hier on a réussi à débloquer la suite de mission de Miles Eckhart relative au clan d'Arlington, qui déclenche donc une suite de missions où il faut flinguer des membres d'un clan, d'un gang d'Arlington justement. Qui ont des vaisseaux de plus en plus puissants. On a déjà fait Eclipse, Sabre, Hurricane. Je crois qu'on a fait le Vanguard aussi. Bref, il nous reste notamment le Retaliator, le Hammerhead. Et surtout, depuis la 3.12, il y a la dernière mission. Donc la mission de l'Idriss. D'où le titre du stream. Aujourd'hui, on vise l'Idriss. Donc il y aura certainement l'Idriss Pirate. Je vais enfin pouvoir utiliser mon Vanguard. Pour la raison pour laquelle je l'ai farmé. Je suis content. Par contre, on va pas faire ça seul. Alors c'est quoi? Je vais compter sur vous, qui êtes présents sur le chat. Pour moi, rejoindre l'avocat, je sais qu'il y a Horos qui de base va vouloir venir avec son gladiator pour aller bombarder l'Idriss. Ça me va très bien. Mais si on peut être 5-6 pour essayer de se fumer l'Idriss, ça peut être pas mal. Je dis ça, je dis rien. Donc salutation Berserker, salutation Horus, salutation Franky, salutation Trigator, salutation les fausses, on ensemble jusqu'à 20h sur Star Citizen, ensuite on passe sur Warship. J'espère que 3h seront suffisantes pour finir cette succession de missions. Et qu'on va réussir à vaincre l'Idriss. Parce que pour l'instant j'ai encore jamais croisé l'Idriss en jeu, enfin l'Idriss à combattre en jeu. Parce que bien entendu, hein, pour l'Invictus Week l'an dernier, il y avait Idriss et Javelin qui étaient qui faisait une petite parade. Voilà quoi, c'était pas l'Idriss qui est faite pour le combat. Là, j'attends de voir. Je sais même pas si l'Idriss pirate c'est un Idriss P ou un Idriss M. J'espère que c'est un P parce que si c'est un M, ça veut dire qu'il a le Railgun et ça peut faire très mal. Donc je branche le joystick. Voilà, le bruit USB vient de chez moi. Alors, la même chose avec la manette des gaz et puis on va se lancer. Je vais me connecter en vocal, bien entendu, sur le Discord. Hop. Manette des gaz. Que je branche également. Bon, USB vient de chez moi encore une fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un en vocal, tiens? Ben non, pas encore. Si, il y a Horus. Hop. Et coucou Horus, comment tu vas? Bonsoir. Comment ça va Horus? Nickel et toi? Une seconde, je règle le deuxième écran, voilà, parfait. Car monsieur a deux écrans, ça y est. Ah, ça fait depuis quelques semaines que j'ai deux écrans. Oui, mais ça fait quelques semaines que j'ai pas streamé. Ça fait une semaine et demie que j'avais pas streamé. Ah. Je l'avais déjà dit que j'avais deux écrans. Ah, peut-être, ça me... Alors, dans ce cas, c'est juste ma mémoire de merde qui me joue les tours. Et salutations à Golot et salutations à Maxoala. Et une bonne année également. Mais ça, c'était... Enfin... Maxwell qui dit, je risque d'être la 50e personne qui te le dit, mais bonne année. Bah, j'avais annoncé, hein, pendant au moins une semaine, il va y avoir des personnes qui vont me dire bonne année. Et on vous dit bonne année aussi, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et salutation papier et salutation Snafu. Et bonne année également. Alors, moi, je pense que je l'ai déjà dit en privé après quand je t'ai filé le best-of, mais quand même bonne année. Bah, merci, bah, bonne année à toi aussi, Horus. Merci. D'ailleurs, en parlant de best-of. Déjà, merci Papier pour l'abonnement niveau 2, 14 mois d'affilée, merci beaucoup. En parlant de best-of, je rappelle que vendredi, il y a le best-of numéro 13 qui arrive. Alors, le best-of qui sort un vendredi, best-of 13 qui sort un vendredi, est-ce que c'est un signe? À vous de me dire. C'est pas moi qui choisis la date, c'est lui. Ouais. Bonne année à toi, Snafu. Je t'ai invité. J'ai reçu. Et on est parti. Bon, j'espère ne pas avoir trop rouillé, j'ai pas trop joué à SC ces derniers temps. On verra bien. J'ai fait du The Crew qui était à 9€ sur Steam, enfin 12€ vu comme j'ai pris la version plus. Pour 3€ de plus, ça me va. Bah, The Crew 2, j'ai vu qu'il y avait la réduction sur Steam, j'ai hésité à le prendre, je me suis dit ouais, non. Il est pas parfait, mais il est marrant. Oh, il est loin d'être parfait. Ah non, il est pas parfait, mais. Si tu cherches juste un jeu pour rouler et prendre du plaisir à rouler. Voilà. Hop. Le truc c'est que le 1 était bien, mais le 2, ce que j'ai vu en tout cas des trailers, c'est ça qui m'a un petit peu fait chier.
C'est le côté, t'appuies sur un bouton et puis poum, tu passes de voiture à bateau à avion. Ça dépend des courses, mais en fait, c'est pas systématique. T'as vraiment. En gros, t'as eu beaucoup de disciplines et t'as les courses extrêmes, comme ça s'appelle. Où en fait, tu dois justement enchaîner entre les diverses formes. Mais c'est le seul cas. Par contre, ce que je peux regretter, c'est l'absence de rallye. Et surtout de rallye endurant. C'est le problème. Maxwell qui me dit comment tu vas visiter l'Idriss. Je vais pas visiter l'Idriss, j'ai dit on vise l'Idriss. Alors même moi ça m'arrive très souvent de faire la lecture rapide et donc de confondre deux mots. Mais c'est. Je me suis pas planté sur le titre, c'est on vise l'Idriss, non? Que j'ai mis. On vise l'Idriss, oui c'est ça. C'est avec l'émission de Miles Eckhart, la dernière mission de Miles Eckhart pour les Arlington. C'est un Idriss pirate. Et donc on va essayer de le défoncer. Parce que voilà. Combien je suis autour de Hearthstone. Bah nickel. Ouais, j'ai déjà la mission suivante pour l'Arlington. Pour l'Arlington, c'est bien ça. Bah écoute, fais ça pour mon sabre moi. Tu viens en sabre. Dans ce cas, le moi, je vais sortir. Pas pour l'Idriss. Ouais, je vais sortir directement le Vanguard moi. En fait, ça dépendra si jamais on a beaucoup de torpilleurs ou pas. Bah, ça dépendra surtout s'il y a beaucoup de chasseurs ou pas aussi. Parce que, mine de rien, tout ce qui est vaisseau d'escorte, faudra quand même les gérer. Ouais. Je sais pas vraiment la menace, hein, malheureusement. Quand même, hein, quand t'es avec un vaisseau comme le Vanguard et que les mecs ils ont les scatterguns balistiques, tu le sens vite passer. Ouais, mais comme je dis, c'est pas la menace dans le sens où en fait, il n'y a pas une très grosse escorte. Je l'avais fait avec Cody. Ça marche. Et cette Sangek là hein, je vais rien te dire sur comment on va le chasser, enfin comment on doit entre guillemets le chasser, parce que je sais que toi tu le fais à ta façon. Exactement. Maxwell qui dit j'ai essayé de viser un Idriss en solo avec mon Mercury, je me suis fait éclater. En même temps, l'Idriss seul c'est pas une bonne idée, et en plus le Mercury c'est pas un vaisseau de combat. Bon. Et aussi, je suis content, à Noël, je me suis fait super, enfin Noël, nouvel an plutôt, je me suis fait super plaisir, même si bon, c'est vraiment au goût de chacun. J'ai réussi à me prendre la version Gold, donc normalement à 120€ de Ghost Recon Breakpoint, pour 23€. Oh, ah oui, bien. Bah ouais, bien, bonne économie, pour le coup. Ah oui. Bon, pour le moment, je m'amuse, mais c'est vraiment... voilà, c'est marrant, mais voilà. Et ça t'a son Pietrushkin. Il passe combien Star Citizen? Environ 60 gigas, un peu moins. Je crois qu'il faut compter 58 gigas si j'ai pas de conneries. Pourquoi? Ah c'est vrai que par contre j'ai encore le Dominator. Qu'est-ce qu'ils ont fait à mon sabre? Quoi donc? Bah j'arrive, il est détruit. C'est des choses qui arrivent. Hein. Let's go pour reclaim. Alors, la mission d'Arlington. 60 gigas, il est loin le temps où les jeux tenaient sur un CD-ROM. Ouais. T'avais déjà les jeux qui tenaient sur plusieurs CD-ROM en même temps. Je te partage la mission d'Arlington en attendant. Merci. Et je me prends le Colt Arms en plus parce que c'est gratos. Ah oui, pas faux. J'oublie toujours ça. C'est quoi un CD-ROM, lol? Putain. Lançons. Merci Papier pour le don 50 tourmis. Et merci beaucoup. Mais pourquoi? Bonne année. Bah merci. Merci beaucoup Papier. Bonne année à toi aussi. Mais je te l'ai déjà dit tout à l'heure. Mais bon. Merci. Je vais déjà aller sur zone à la limite, Horos. Oui, vas-y. Parce que moi, faut que je réclame mon sabre. Il me reste 64 gigas de lime sur mon SSD. C'est toujours bien d'avoir de la marge quand même sur un SSD. Ah moi je suis limite hein. Dans le sens où en fait quand j'ai le PTU je suis très limite à niveau de mémoire. Bon là ça va, j'ai encore pas mal de mémoire libre sur le SSD étant donné que j'ai viré Horizon Zero Dawn vu que je l'ai complètement
Je vais pas dire j'ai goldé parce que j'ai pas tous les défis, mais j'ai fini le jeu en New Game Plus avec difficulté max, j'ai fait allez c'est bon. 3 ans de plus. En vrai, moi je suis surpris de la taille de SC, franchement. Bah c'est le procédural qui fait ça. Hein. Ah, ça explique pas tout, parce que quand tu vois que... J'aime bien prendre cet exemple, Call of Duty avec des maps qui sont... qui comparé à l'échelle de SC, 150 gigas. Mais parce que c'est pas du procédural, sur Call. Non, c'est aussi surtout qu'ils optimisent pas les... Les textures. Ouais, rien n'est optimisé, vu comme... bah, ça c'est un truc qui se fait de moins en moins, parce que... Étant donné que les PC sont de plus en plus puissants, il n'y a pas moins besoin d'optimiser les textures. Et ça me rappelle Rainbow Six Siege, à l'époque où il était sorti, donc il y a les gars de ma team qui l'ont pris, et je crois qu'ils faisaient un truc genre 40 Go au total, et t'avais 20 Go c'était le jeu, 20 Go c'était le pack de textures, tu fais. Sérieusement les mecs? Après Ubisoft ils aiment bien faire des packs à part, il y a rien qu'à regarder. Comme j'ai dit, j'ai joué à The Crew, donc par Ubisoft, et Ghost Recon Breakpoint, Ubisoft. Alors, quel langage vous voulez jouer? Très bien, on télécharge. Ouais. Papier qui dit, je me souviendrai toujours de quand Diablo 2 est sorti, j'étais obligé de m'acheter un nouveau disque dur, car il faisait 2 gigas. Putain la vache. Ah, Diablo 2, il était pas mal comme jeu. Bon, bah je vais aller sur une autre zone, parce que mon sabre, il n'y a que les pads, il n'y a que les trains d'atterrissage. Ah oui, bah faudra que tu reclaimes. Bah va sur le point de l'avance numéro 1 à la limite. Ouais, c'est ce que je vais faire, je vais prendre mon... Alors Bill, non, disque dur c'est pas que c'est impensable, sinon que c'est fortement, très 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 fortement déconseillé. Et ça t'a sur 9 cents. Yo Alcaris. Par contre là je suis à... Ah, ça y est. Ah donc c'est le Vanguard ma cible là, ok. Très bien. J'allais dire, le mec il met du temps à spawner, mais... Peut-être monter à 250 mètres par seconde, ça peut être pas mal, 250... Bon, à 230. Bon, à 240. Allez, dernier mot. Bon, si jamais mon cutlass explose alors qu'il est sur le pad, c'est que soit j'ai pas de chance, soit il est aidé à exploser. Au pire, je viendrai te chercher. Ouais. J'ai avec le Vanguard, donc... Putain, ça coûte cher maintenant, enfin, ça coûte quand même assez cher. Là. Ouais. J'ai... Bon, c'est bouclé. Elle est à 15 000, c'est ça, donc ça fait 7500 chacun. Si j'ai pas de conneries. Ouais, ça fait un... C'est ça. Ouais, exactement. Et overclock. Objectif, mourir comme un moustique contre un pare-brise. Non, on va éviter. Le jeu qui m'avait forcé à prendre un nouveau disque dur, c'était Baldur's Gate 1 en 98. Moi je crois pas avoir de jeu qui m'ait forcé à prendre un nouveau disque dur. En même temps, quand j'étais jeune, je jouais pas les masses. Hein. Enfin si, mais j'étais un consoleux. Ah, de même. Moi c'était pas « Ah, j'ai besoin d'un nouveau disque dur », c'est « J'ai besoin d'une nouvelle carte mémoire ». Ouais, oh, non mais ça c'est le... C'est le commun de tous les consoleux, ça. Hein. Ah, surtout quand tu joues, enfin j'avais plein de jeux, prends pas beaucoup de place et là tu joues le jeu où tu as juste une carte mémoire pour ce jeu. Ouais. Bon, je rappelle sur GameCube les blocs. Les blocs, ouais. En attendant, bah oui, j'ai pas encore la suite de la mission. Donc en attendant, je vais. J'ai une mission d'investigation sur Hearthstone. Ok. Si tu veux. D'abord, je vais réclamer mon sabre. Ok. Et là, Sparkle. J'ai en avoir mon commandant de Cleveland, level 10. Quel skill tier 4 est-ce que je peux prendre? Je te conseille la furtivité. La furtivité sur un croiseur, c'est jamais perdu. C'est limite un skill obligatoire. Époque où t'avais juste une carte mémoire pour jouer à Final Fantasy Crystal Chronicle. Le truc qui prenait 80 blocs. Jamais joué à un FF. En même temps, ça m'a jamais attiré, Final Fantasy. On va dire que j'ai grandi dedans, vu que ma soeur était très grand fan des RPG japonais.
Alors pour le coup, Maxwell, moi j'étais. Je suis resté fidèle à Nintendo pendant très longtemps, jusqu'à la GameCube. Après, j'ai acheté la PS2, et en fait, PS2, GameCube. Je vais pas dire que c'était mes dernières consoles, puisqu'après j'ai eu la Wii, mais la Wii, je l'avais récupérée uniquement pour pouvoir jouer à Guitar Hero, ainsi que à Smash Bros. Brawl. Et les autres jeux, après je jouais aux jeux GameCube sur Wii. Mais on va dire que ouais, la génération Wii, ça a été la dernière génération de console à laquelle j'ai joué. Après, je suis passé sur PC définitivement, quoi. De toute façon, la Wii, c'est juste une GameCube plus plus, hein. C'est ça. C'est une GameCube avec un motion sensor. Bon, en vrai, il y avait de bons jeux dessus, hein. Twilight Princess. Alors oui, mais Twilight Princess, c'est un jeu GameCube. Oui, c'est vrai, j'oublie toujours ce détail. C'est un jeu GameCube parce que... Alors, pourquoi est-ce que je dis que c'est un jeu GameCube? Parce que Twilight Princess, sur la version Wii, tout est inversé. Zelda, Link est droitier. Et Link droitier, c'est une hérésie. Link est gaucher, point. Et sur GameCube, il est gaucher. Twilight Princess est un jeu GameCube. C'est tout. Et Skyward Sword aussi? Skyward Sword, ouais. Je trouvais qu'il était un petit peu. Enfin, j'y ai pas joué, j'ai vu un let's play de. À l'époque, c'était Diablo X9 qui avait fait un let's play sur Skyward Sword. Pour vous dire, ça remonte, hein. Déjà, rien que dire Diablo X9, t'as tous les vieux de YouTube qui font. Ouh. Ça remonte. Et bah, il m'avait pas emballé. Bah, en fait. Comme le dit très bien Saven sur sa vidéo, c'était, on va dire, l'erreur nécessaire. C'était le jeu test pour ouais. Savoir comment orienter le jeu après. C'était le retour client qu'il fallait avoir, quitte à sortir un jeu un peu mauvais, mais ensuite avoir le retour client. C'est ça. OMG de l'X9, mais ouais, mais on est d'accord, Diablo X9, c'est. Les jeunes aujourd'hui, tu dis Diablo X9, ils disent c'est qui? Non, Diablo X9, c'est. C'est le grand-père des gamers sur YouTube. C'est l'un des pionniers pour le coup. Ah oui, il est bien Skyward Sword, mais il est pas. On va dire, il est pour être défaut. Ça vaut pas un Ocarina of Time par exemple. Ah oui, c'est. Ocarina of Time, c'était la claque, putain. Alors quand tu regardes avec les yeux aujourd'hui, tu dis, putain, il est vachement petit en fait, Ocarina of Time. J'ai plus connu Bob Lennon et Fanta. Bah moi non justement, Bob Lennon et Fanta, je me suis jamais penché sur leur contenu. J'ai tellement de points sur ta chaîne que chaque 5 minutes je gagne que 12 points au lieu de 100 points. Ah c'est pour dire. Ouais, je mets en place, enfin je me penche sur le côté du comment les paris. J'aime pas Ocarina of Time car j'avais joué à Majora's Mask avant, il est tellement mieux niveau gameplay. Alors Majora's Mask, moi c'est un truc qui me stressait, c'est le fait que ce soit contre la montre, entre guillemets. C'est-à-dire que t'as 3 jours pour résoudre chaque arc, ça me frustrait quelque chose de violent. Après, ce qui était bien, merci Nixu pour l'herbellement 4 mois d'affilée, merci beaucoup et salut à toi au passage. Du contre la montre, oui et non, parce que tu pouvais toujours reset le timer quand tu voulais. Au bout d'un moment évidemment. Au bout d'un moment ouais. Je me rappelle que moi c'est un truc qui m'avait frustré ça, de base. Bon bah je vais devoir attendre 2 minutes. Pour le sabre. D'accord. Pour moi, un jeu qui. Un jeu genre Zelda, il faut prendre son temps, quoi. Il faut prendre son temps. Genre là, en ce moment, je suis en train de me faire Metroid AM2R, donc la version fan-made de Metroid 2. Putain, je kiffe, mais je prends mon temps, quoi. On a date pour la ville de Crusader quand ce sera prêt.
Ah, au fait, au passage, vu que je vois qu'il y a Cookie qui a fait le point d'exclamation quand, j'ai fait j'ai modifié une commande. Donc maintenant, si vous voulez, vous pouvez faire un point d'exclamation roadmap. Ça va être marrant, tiens. Voilà. Avec le fameux lâcher la bride à la roadmap et laisser CIG bosser à leur rythme, on a déjà assez d'exemples de jeux qui se sont cassés la gueule parce que les devs ont été obligés de se précipiter. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser par rapport à la vidéo de ce matin, donc je rappelle qu'ils m'ont ma review assez synthétique de Cyberpunk 2077. Il y a quelqu'un dans les commentaires qui est ultra virulent par rapport à Cyberpunk qui dit ouais, machin, c'est un jeu à fuir, c'est de la merde, tout ça. Alors, je trouve qu'il était excessivement catégorique et j'ai vu qu'il était en train de discuter avec, avec quelqu'un d'autre par rapport à ça dans les commentaires, toujours. Et ça a dérivé un petit peu sur Star Citizen. Et donc, la personne qui disait oui, machin, Cyberpunk c'est de la merde, faut fuir le jeu impérativement. Qui d'ailleurs dit oui, machin, je me suis planté de chemin. Qui dit derrière, ouais, si CIG, ils ont intérêt à se grouiller pour sortir leur jeu. C'est pas un peu paradoxal ce que tu dis là Parce que bon, d'un côté tu crashes sur Cyberpunk parce que bah ils étaient obligés de se grouiller parce que pression de la part de la communauté et des actionnaires, etc. Et derrière tu demandes à CIG de se grouiller pour sortir leur jeu. Ça me fait penser à une connerie que j'avais dit, parce que moi je suis sur un Discord de développeur indé. Ouais. Qui fait, j'en parle entre guillemets assez souvent, qui fait un Sonic-like 2D qui sont en train de faire la suite et qui, entre guillemets, il devait sortir l'année dernière en été. Ouais. Le développement a commencé en 2014. Ouais, et à un moment ils se sont excusés parce que littéralement le directeur artistique qui fait aussi une grande partie des dessins, littéralement il s'est tellement pressé qu'il est tombé en dépression. Ouais, il a fait un burn-out quoi. Ouais, il a fait un burn-out parce que c'est vraiment une petite équipe. Et moi j'avais sorti une connerie qui leur avait fait rire, c'est « Putain, je veux le jeu, prenez votre temps, mais je veux !» Mais ça, tu vois, c'est le truc, c'est toi, tu prends ça avec tu mets ça avec une pointe d'humour. Le problème, oui, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui... Vraiment comme ça. Exactement. Majora's Mask est d'un des meilleurs speedruns 100%. Ils font le jeu au complet en 3 cycles. Premier cycle de 20 minutes, deuxième cycle de 4h30 et troisième cycle de 40 minutes. Ah oui, quand même. Et ça t'a surchoqué, là. Des Azarkir qui dit, vu le nombre de conneries que Ross dit, ça doit pas voler très haut. Voilà. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Berserkir. Après. J'ai peut-être des conneries, mais au moins je suis respectueux envers les gens. Oui. Surtout envers les gens qui font du travail de ce genre. Très sincèrement, par rapport aux jeux indés, etc., il y a des jeux comme ça, tu te dis, franchement, les gars, vu ce que vous avez déjà fait, prenez votre temps, on veut juste un truc qui soit classe, qui envoie du steak. Je pense, bien entendu, en disant ça, à Hollow Knight Silksong. Oui. Ça, franchement, le 2, il faut qu'ils prennent leur temps et qu'ils fassent un truc aux petits oignons, quoi. De toute façon, à vue de nez, on sent que l'expérience va totalement être différente de celle d'Hollow Knight au niveau gameplay. Ouais. Parce que les gens jouent pas le même personnage. Ouais, on joue Hornet, ouais. Et... Alors, arrêter de se casser la gueule ici sera un peu problématique, surtout que là, on est à 1G, donc... Ah, ça me fait plaisir que tu dis ça, mon petit Berserkir. En même temps, Berserkir, si jamais il y avait deux Audi en même temps sur le chat vocal en stream, on survivrait pas, clairement. Et ça t'as son Goji là. Je viens de tomber en m'allongeant. Donc tu finis pas en breakdance, ça me va. Mais je crois que ça a été corrigé, ça, non? J'espère. Ça veut dire que je vais pouvoir foutre des patates dans le dos de mes amis. Évidemment. Le premier truc auquel Horus y pense, c'est taper ses alliés. Je suis un joueur de jeu coop à Friendly Fire. Évidemment. Si jamais tu peux pas mettre une petite balle sur ton ami pour lui dire bonjour, c'est pas mon jeu. Et là, vu comment, bah... C'est toujours marrant quand t'arrives sur ton pote et tu le mets juste KO, hein. Je parle pas de tuer, moi. Vu comment c'est chiant de respawn dans SC, je trouve ça beaucoup plus marrant de foutre une petite benne et que l'autre il est à terre et se foutre
plein la gueule, quoi. Bon, j'ai terminé ma mission. Et je vais voir si la mission de chasse à la prime a spawné ou pas. Et puis bon, Derko, tu seras très content quand je foutrai Audi à terre après qu'il ait dit une blague de merde. J'ai la mission. Ah, nice, je suis en train d'arriver sur Hearthstone. Ce sera le retaliator là pour le coup. Celle à 18 000, c'est le retaliator. D'accord. Non, où est-ce que je dois aller? On peut être un balista dans l'espace et tirer. Techniquement, oui, par contre, t'auras aucun moyen de le stabiliser si jamais tu le. T'arrives pas à le placer de façon sécure. Ils sont tellement imaginatifs, ces joueurs. S'ils commencent à tourner dans le vide, tu vas avoir du mal. C'est à son milieu, pas. Ok. Alors, ce qui me fait chier, c'est que j'ai encore le bug de. L'objectif qui a été dupliqué pour. La caverne. Pour la mission que je viens de faire, ouais. Bon, c'est pas dramatique, mais bon. C'est le même. Ouais, je vois. Et y'a Pernel. Bonne nouvelle, je vais enfin avoir ma formation pour une reconversion professionnelle, enfin. Ah, nice, ça va bien ça. Parce que vu ce qui t'est arrivé avec ton dos par rapport à ton boulot, c'est compliqué. Hein. Et tu pourrais pas continuer comme ça, c'est pas possible. Tiens, une idée pour Hugo, ça peut être attraper un missile de balista avec le rayon tracteur. Il faudra qu'on fasse des tests avec le rayon tracteur, pour l'instant on l'a pas vraiment fait. Hein. C'est pas faux. Ah, je peux sauter sur la bounty, mais je t'attends. Ok. Bon, à la limite, enfin t'es avec... Ouais, non, avec le sabre ça risque d'être un petit peu juste. C'est vrai. Je veux, mais bon, c'est pas marrant. Bah, déjà que je trouve la sortie de la caverne, je suis sur la bonne voie normalement. On approche de Dead Space avec le rayon tracteur. Ah, Dead Space, c'était plus tu te propulses de paroi en paroi pour le premier. Après, il n'y avait pas vraiment de rayon tracteur, c'était juste la télékinésie qui te permettait de transporter les choses et les envoyer avec une puissance phénoménale. Je trouvais la télékinésie beaucoup plus fun dans le 2. Je sais pas dans le 1, mais dans le 2, c'est beaucoup plus fun que dans le 3. Dans le 1, t'en avais pratiquement pas en fait. D'accord. Enfin, moi, en tout cas, dans tous les cas, j'utilisais jamais la télékinésie parce que j'utilisais que le coupe-coupe de base. Mais moi, j'utilisais la télékinésie pas pour me battre, juste pour foutre la merde dans la pièce parce que j'adore les props. Mais c'est vrai que la physique de Dead Space 2 était beaucoup plus poussée que celle dans le 3. Super. Bonsoir. Et coucou, Audi. Comment ça va? Ah, ça va. Je suis un peu sur le chat depuis quelque temps. Hein? On m'invoque là? C'est ça, oui, c'est... voilà, c'est ça, tout à fait. On disait que ça, heureusement, hein, que Horos n'avait pas le même humour que toi, sinon on survivrait pas. Ah bah justement, me voilà. Voilà. Vous pensez ça? Exactement. T'arrives pile poil là, on va faire la mission des Arlington contre le Retaliator. Après, il y aura le Hammerhead et normalement après, il y aura l'Iris. Donc, on a besoin de puissance de feu. Ok, alors pour le Retaliator, je pense que ça va être un peu juste, mais pour le Hammerhead et le Idris, je pense que ça peut se négocier. Après, je pense qu'on aura un peu un manque de puissance de feu pour. Très sincèrement, pour le Idris. Parce que là, bon. Bon, pour avoir balancé quelques T5 sur un Idris, c'est pas suffisant les T5. Les non, T9 non plus, mais ça va être beaucoup. Oui, les T9, c'est déjà mieux. Ouais. Ah, les T5, tu sens que c'est là pour taper sur du Constellation. Et d'ailleurs, je suis content. Ça one shot enfin un Cutlass Black, les T5. Alors, Aether, par rapport à l'ombre bizarre que j'ai sur la lumière, c'est un artefact dû à mon casque. Parce que je rappelle que j'ai le casque nounours. Donc, c'est. Juste que c'est moche, mais. Mais vu que le casque est génial, on va dire que c'est un faible sacrifice à payer. Voilà.
Par contre, c'est quoi ce bordel? J'ai mon vaisseau qui se... Il réagit très bizarrement en atmosphère là. Peut-être que t'as tapé un truc de manœuvre. Ouais, j'ai l'impression. Au moment où je me suis posé. C'est relou ça. D'ailleurs, j'ai entendu dire que le Constellation s'est fait buff au niveau de sa maniabilité, de sa vitesse, enfin maniabilité en général. C'est vrai ça? Ouais, c'est entre 12, ouais. Oh nice! Parce que bon, c'est vrai que c'est un vaisseau qui ne sortait pas. Si on laisse le Banista dans la soute d'un vaisseau et qu'on tire, il ne va pas exploser le vaisseau dans lequel il est. Alors, s'il y a des problèmes de synchronisation, ce qui est le cas, ça peut arriver en effet. Mais je me rappelle que Hugo il avait chargé un cyclone TR, donc celui avec la batteuse sur le dos, à l'arrière d'un nomade et qu'il l'utilisait comme tourelle arrière. Et que ça marchait bien. Hmm. En alpha, le but c'est de tester les trucs justement, et Hugo c'est le pro pour ce genre de conneries. Hugo il prend son rôle de testeur très à cœur. Ah, le jour où on va pouvoir poser, enfin si on peut en poser évidemment, on va pouvoir se poser des toiles fixes. On pourra. Avec le Nautilus. Moi je parle de tourelles FPS entre guillemets. Ah sur, oui, ok. Je vois ce que tu veux dire. Mon trépied avec une batteuse. C'est ça, on va sur, le nomade ça va devenir le truc à ne pas poursuivre. Bon, je suis à 55 bornes de toi, mais j'arrive pas à... Je vais sauter sur la M6. La fonctionnalité pour la 313 qui est prévue, les armes montées. Je sais pas qu'est-ce qu'il va nous réserver, mais... Moi, j'ai lu, comme... enfin, j'ai cru comprendre comme quoi on pourrait détacher les armes. Normalement, ouais. Et... Par contre, je suis pas sûr qu'on puisse les porter. Alors si jamais on peut les porter, oh là là. Tu sautes sur... Je suis à 100 km, je suis en vitesse de croisière. Bah, en fait, je pense que peut-être qu'on peut transporter des armes de taille 1 ou de taille 2, peut-être. Taille 2, non, peut-être pas. Taille 2, si, c'est raisonnable encore. Taille 3, là, oula. Taille 2, par contre, ce serait au prix de maniabilité de ton personnage. Ah oui, ça, de toute façon ça a été dit que oui, c'est apporter une puissance de feu supplémentaire au prix d'une maniabilité très réduite quoi pour le perso. Derko, tu me dis quand tu es à environ 30 km de la cible, de la zone? Ça marche, là je suis à 60 bornes pour l'instant. Ok, merci. Les batteuses taille 1 montées sur véhicule pourront être transportées à pied. Ouais. Ouais, reste c'est à savoir. Qui va arriver avec un bulldog? C'est un yellow jacket pour le coup. En taille 1. C'est Yellow Jacket la mitrailleuse? Ouais. Enfin la Gatling? Ouais, non, la taille 1 c'est la Yellow Jacket. D'accord, je confonds. Bulldog c'est la taille 1 en énergétique. Je suis à 30 bornes. D'accord. Je saute. C'est l'énergétique le Bulldog. D'accord. Je confonds un peu les deux parce que les deux ont eu une bonne idée de mettre des noms d'animaux pour leur... Yellow Jacket c'est pas un nom d'animal? C'est de la faune. Yellow Jacket, c'est pas un animal. C'est les guêpes. Enfin, les guêpes. Ah ouais, ok, d'accord, je vois, oui. Bon, après cette mission, il faudra que je fasse un pit stop au niveau du point de Lagrange. Il faudrait que je me prenne un truc à manger. Ah, c'est fou, je te vois, mais je sais pas si tu me vois encore. Oui, je te vois. En effet. Ah, ça y est, elle se spawnait. Ouais. 5 bornes de moi, bah nickel. Je suis à 250 mètres par seconde environ. Par contre, je me demande si jamais ils ont fait exprès de faire ce lag sur les objectifs pour.
éviter que ça bug, je pense. Je pense surtout que c'est c'est le serveur qui a du mal à faire spawner les entités. Hein. Ah, moi je parle sur les objectifs ou comme sur les marqueurs d'alliés, je pense que je parle des marqueurs. Aïe, aïe. De toute façon, actuellement, tant que le serveur machine sera pas là, les serveurs resteront bien difficilement en forme hein, avec tout ce qu'ils ont à gérer actuellement. C'est vrai. Ouais, on sait, le jeu sera pas optimisé. Bah oui, donc au moins facile, attendez-vous à ce que ça. En termes de désynchro, etc., il n'y ait pas vraiment grand chose d'améliorer pendant au moins un an. Hein. Facile. Ouais, ouais, ouais. Ça... bon, direction HURL 1 pour moi. Oh punaise, je suis à 54% de faim et 52% de soif, allez donc, je suis en forme aujourd'hui. Tu manges un truc ? Ah oui. Là, mon café dans ma chambre sera très... Je crois que le café réduit la faim justement en plus. Enfin, et ça réduit, c'est en fait, elle donne un malus. Et t'as vraiment possibilité de boire du café dans la chambre que t'as à Lorville par exemple ? Oui. Putain, la cafetière marche. La cafetière marche. Mais je savais pas que tu pouvais consommer le café qui... D'accord. Si, et ça fait des effets. Top. Et c'est parfaitement très bien pour bonne débuter la journée. Ah, par contre, est-ce que c'est du vrai café ou pas ? Dans le sens, est-ce qu'après ta tasse de café, faut que t'ailles aux chiottes ? Non. Bah, étant donné qu'on a malus sur la bouffe, je dirais que oui. Parce que ça, les vrais savent, hein. Le véritable café, tu prends une tasse. Direct au shot. Et on met la base. Voilà. Il manque la clope pour compléter les 3 C. Ah, on voit qu'il y a des connaisseurs. Le café clope shot. Moi, c'est que de C. Le café clope shot, c'est la base. Ça marche, mais là, Ménérez, la prochaine mission qu'on doit faire, c'est la mission du Hammerhead. C'est-à-dire, c'est pas la prochaine mission, c'est la mission d'encore après qu'on va faire. Normalement. Ah oh là là, c'est beau. Et là, Exotic qui me dit, mais vu que les toilettes dans les vaisseaux, ils vont faire quoi si le perso doit chier dans un Mustang Alpha ou un Avenger ? Il va aller dans un rest-up. C'est la même chose voilà. Que quand t'es en bagnole. Les aires de repos... Ça sert à ça. Hein. Et oui. Hein. Et merci Flexron pour le follow, merci beaucoup. C'est pour ça que je trouve qu'il y a rien de plus horrible que les aires de repos qui proposent des toilettes payantes. Eh ben, tu sais quoi, tu sais les rest-stops, je pense qu'à un moment donné, tu vas devoir payer un droit d'entrée. Hein. Aujourd'hui, c'est gratos, tout ça, mais hé hé. Tu devras consommer obligatoirement sur place. Eh hé! Quand ils vont activer les portes de sécurité, rassure-moi que là, je pense qu'il va y avoir des petits tarifs en plus à payer. Ils sont les toilettes dans les rest-stops, ce sera certainement au niveau des galeries. Mais c'est pas encore intégré ça. Ah oui, faut que je sorte les toilettes. Non, elles y sont déjà en face des ascenseurs pour les chambres. Ah! Bah voilà. Allez, pour bien. 300 de réparation pour un atterrissage qui s'est mal passé tout à l'heure, quoi. Putain, abusé. Un restop origin, au secours les prix. C'est grave. Et c'est genre, monsieur, je crois que vous êtes planté sur l'étiquetage de ce sandwich là, hein. Il est périmé. Non monsieur, c'est pas la date, c'est le prix. Ah. Et cette moi je reviens, figure. Je me prends un truc à manger, in game. Ça marche. C'est Mostofi qui dit, moi je vais faire monsieur pipi dans Star Citizen, je vais me faire un max de thunes vu les configs des vaisseaux.
Bah au pire, alors ça c'est un truc, c'est Hugo qui a... Je crois que c'était Hugo qui avait émis l'idée de faire ça avec le... lorsque la VOIP allait être intégrée. Maintenant elle est intégrée. C'est de jouer les mendiants dans le métro. Avec la musique à la con. Faire passer de la musique à... de la musique de merde à l'accordéon dans le jeu et demander une pièce aux personnes qui passent en métro. Non, le vrai RP c'est que tu joues la musique vraiment derrière. Ah oh, putain l'enfer. Oh, oh, oh. Ça c'est le vrai RP. Alors j'ai une question, t'es sur le serveur ou pas? Je suis sur le serveur, je suis en train de me sustenter et je prépare mon vaisseau en changeant mon hornette avec un peu de balistique parce que je pense que ce sera plus efficace contre des... par rapport à des boucliers d'Idriss. Hein, donc... Je t'ai invité. Et merci. Moi je prends full énergétique histoire de tenir le plus longtemps possible et de maintenir une pression constante. Ah, l'énergétique, je trouve ça marche bien aussi. Imagine dans les gros combats les mecs dans les petits vaisseaux qui stoppent de combattre et qui rentrent dans, dans les vaisseaux capitaux pour pisser. Techniquement, alors, je sais pas si c'est, je sais pas si c'est le cas pour les armures qu'on a là, mais je sais que par exemple, sur, avec des potes, on joue un JDR qui s'appelle Knight, qui est un jeu français. Et en fait, on a des armures façon un petit peu Iron Man, et en fait, nos armures sont capables de recycler les déchets corporels. Voilà. Je me demande comment ils vont essayer de retranscrire ça dans le jeu des... Les... Une barre hyper protéinée? Non, les... Alors j'ai un problème là. Oui. Parce que j'ai la quête d'Arlington, la récompense c'est 45 UEC. Ah merde. Ah bah c'est pas cher payé, dis donc. J'espère que c'est un bug d'affichage. Je vous la partage. C'est pas 45 000 plutôt? Il y a marqué 45 à l'UEC. J'espère que c'est un bug d'affichage. Parce que là, c'est quand même le Hammerhead. C'est juste un bug, ok. Non, c'est normal, c'est le Hammerhead, ok. Il est où mon vaisseau? Pas de 4. Ah, donc ça rapporte réellement 45 alpha UEC? Putain. 45 alpha UEC pour flinguer un Hammerhead. Ah, c'est rentable. Hein. Eh bien. Ah, et j'ai pas de balistique. Ah, oui, d'accord. Bon, bah, ouais, bah écoute, autant prendre deux. Hein. C'est la logique, hein, classique. Bon, l'énergétique, ça fonctionne quand même. Fonctionne bien. Bon, je suis en route vers la cible. Je suis à 240 km. Moi, je suis en train de courir vers mon sabre. Et ça, t'as son Itnerolf. Il a quand même une bonne dégaine, le Vanguard. Il a vraiment une gueule à l'ancienne, ce vaisseau. Hmm. Moi j'avoue que j'aime bien le design du sabre, même si quand il est en position d'atterrissage, on dirait un boomerang. La question que... Oui. Tu viens de démystifier le vaisseau avec une violence. Je trouve qu'en position d'atterrissage, on dirait un boomerang. Par contre, quand il est déployé, là, rien à redire. Et merci Thibaut pour le follow. En gros, quand tu le lances, il revient vers toi, c'est ça, c'est... Ah, j'aimerais beaucoup que si jamais il y a un bug, que tu es en sabre alors qu'il est en position reployée, il revient vers toi. Reployé, je suis pas sûr que ça existe comme... Reployé, c'est... Je pense que c'est replié que tu voulais dire, plutôt. Redéployé en station. Et voilà. Majestuatisation, c'est ça. Exactement. Vous en êtes où les gars? Vous en êtes où? J'arrive bien sur Ayrton.
Et toi, Audi? Dans le train. Ah, c'est vrai que toi, t'es sur leur ville directement. Et oui. Ça marche, Overclock, bonne soirée, putain. En 160p, coupure. Et la neige, quand la neige te flingue le réseau, c'est compliqué. Et yo, I'm back, et bonne année également. Ah, patience. Avec le réchauffement climatique, dans quelques temps, ça sera terminé. Alors, réchauffement climatique, c'est un faux ami en termes de termes, parce que c'est pas vraiment réchauffement climatique, c'est bouleversement climatique, qu'il faut dire. Après, c'est... C'est... Comment dire, c'est indéniable que la température, de manière générale, monte. Ça... Il y aura toujours des hivers, il y aura toujours un peu de neige, mais... Mais au niveau local, c'est différent. Ouais. Ouais, c'est le film Le jour d'après qui est pas mal par rapport à ça. Bon, évidemment, c'est volontairement exagéré, hyper accéléré, c'est juste pas possible, mais... Ah, le refroidissement total, là. Ouais. Enfin, pas total, c'est juste une partie, en fait, de l'hémisphère nord qui serait recouvert de glace. C'est pas décollant. C'est ça. Oui, c'est ça. Une période glaciaire, très accélérée, mais... C'est ça. Après, c'est pas la pire... Enfin, ce serait pas la pire période glaciaire qu'on ait connue, hein. C'est au début de la vie, les premières bactéries, elles consommaient pas d'oxygène. C'est des anaérobies, en fait, je crois qu'elles ont libéré même, un truc comme ça. Et ce résultat, ça a fait chuter la température et la Terre entière était recouverte de glace. Je sais qu'Astronomique en parlait dans une vidéo sur les aliens. Je crois que c'était il y a 800 millions d'années dans ces eaux-là, je crois. Non, c'est même avant ça, ça se compte en milliards d'années. Je crois que c'était un truc genre 3,5 milliards d'années, un truc comme ça. Et salutations, Luc Vador. Donc, Horus et moi, on est sur zone. Audi, t'en es où? Je décolle. Ok. Ça fait bizarre de voir tous les cailloux et débris spawn d'un coup, là. Disons, allez, comptez 5 petites minutes, le temps de quitter l'atmosphère et tout le tralala. Ah. Donc là, ton sabre, ton sabre, il est en full énergétique aussi? Oui. Alors, est-ce que Vanguard plus sabre, ça suffira à faire tomber les boucliers du Hammerhead? Ça, c'est la question. Par contre, quand ça va spawner, moi, je suis pas équipé pour flinguer les chasseurs, donc je te demanderai de t'en occuper, ouais. À la limite. Ah si, ça tombe bien quand même. Ça régène, hein. Ah, les petits sont là. Bah, je veux bien que tu me couvres alors, s'il te plaît. Ouais. Pendant que je fous la pression constante sur les boucliers du Hammerhead. De toute façon, en théorie, c'est mon but. Ah, y'a du monde quand même. Si tu vois que ça chauffe trop, t'hésites pas à me dire, hein. Je désengage la Hammerhead, je viens de filer un coup de main. Surtout que je m'occupe des... Les bugs en priorité. Les scatterguns surtout. Ouais, c'est vrai que là, pour le coup... Je sais pas c'est lesquels qui ont ça, là. Bah, c'est les bugs et les hurricanes. S'il y a des hurricanes, ouais. Il y a pas d'hurricanes. Bon, c'est-à-dire c'est les bugs. D'accord. Bon bah, écoute. Il y a aussi le Cutlass qui ont toi le scattergun, mais... Ouais, mais c'est là... En effet, c'est bel et bien les bugs. Ce qui est bien avec les bugs, c'est que ça se détruit facilement. Mmh. Oh, j'ai un bug au derche. Pas sûr. Pas plus. Freelancer Mist, c'est aussi à détruire. Ah, Freelancer Mist, ça avait pas tant de dégâts que ça, hein. C'est en balistique. Ouais, dans ce cas, oui. Surtout ça en full balistique. Y compris la toile, je présume, donc. Ouais, oui, tout.
bizarre de voir des Gladius Valiant dans le verseur en tant que PNJ. En tant que PNJ pirate, ouais. Ouais, surtout en tant que PNJ. D'habitude, je vois pas les variantes en côté IA. Ah, il y a un bug. J'ai pas vu celui-là. Ah, ça m'a l'air d'être un bug classique. Je déteste poursuivre les bugs. Ah, c'est un enfer. J'arrive, je suis à 2 sauts. Les D5 sont violentes. Eh, merci Razax pour l'abonnement de niveau 2. 12 mois d'affilée, merci beaucoup. Bientôt perdu l'aile gauche, moi, de mon côté. Moi aussi. Il a perdu la droite. Il a perdu la vie. Ah, tu veux que je m'occupe du Cutlass ou du... Cutlass. Darko, je m'occupe de qui? Chasseur. D'accord. Gladius Valiant. Vas-y. Ah, c'est plus simple à toucher même Cutlass. Oh, c'est plus gros en même temps. J'ai pris un missile. Dans le Gladius. Oula, la 5. Voilà. Attention, missile. Ouais, j'ai flair. Les chapelets de flair, c'est tellement classe. Le sound design est excellent. Ok. Y'a plus d'autres chasseurs? Parfait, il reste plus que la Murred. Eh bah go alors. I want this piece of junk out of the sky! Excusez-moi. J'ai l'impression que même en énergétique, les tirs passent un peu à travers les boucliers. J'ai l'impression que ça crée des trous en fait, surtout. Donc, c'est qui a ces bruits de batteuse là? C'est la marine? Il est en full énergétique la marine, donc normalement non. Ouais, celui de droite et l'arrière est un peu entamé. Bah, depuis tout à l'heure, j'essaie de m'occuper de l'arrière. L'arrière est presque tombé. Ouais. Profitons-en, profitons-en. Il essaye de m'aligner moi, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Je suis plus mobile du groupe. Il me vise aussi. Hein. Mmh. Allez, le bouclier arrière est tombé là. On peut taper. Presque. Presque. Ouais, l'arrière est presque mort. Les armes qui se chauffent tellement. Ah bah, l'énergétique, c'est sûr que là, ça demande un peu. Oui, 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 oui. Le corps aussi l'arrière tombe. Ouais, comment ça yes tombe. Nickel, oui. Bien joué les gars. Et tout ça pour 45 AUC, n'oubliez pas. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, moi j'ai eu 15, ouais. Oui, parce que 45, ouais, c'est par 3. Ouais, c'est ça. Bon, bah, on va faire un pit stop. C'est ouais, ça. Ouais, ouais, pas non. Attends, je ressemble à quoi? Ça m'a remboursé ma bouffe et ma nourriture. Ma nourriture et ma boisson. Rentable, ouais.
Bon, je suis aligné avec OM1, je vois que Audi est en train de faire la même chose. Vous allez sur Churel1? Ouais. Ouais. Ok, je vais mettre une route. Et oui, je suis bon. Et là, on croit devoir faire la même avec l'Idriss. Ça va être un peu plus complexe, je sens. Est-ce que je vois quelqu'un dans le quantum? Je crois pas. Je crois pas. Je crois qu'on était trop loin de toute façon les uns des autres. Razax, je te dis pas non au moindre renfort que vous pouvez me proposer. Donc si tu veux venir en vocal, tu viens en vocal et tu nous files un coup de main. Par contre, imagine la T7 du Perseus. C'est pas le Perseus, c'est le Ares. En balistique, le nombre de vaisseaux qui se feraient one shot. On va essayer de les aligner. Allez, ouais, salutations Razax. Salut. Salut Razax. Hello, bonne année, bonne santé. Et bonne année également. Merci, toi aussi. Bonne santé, oui. Bah allez, je lance le jeu du coup. Ça marche. Ça va nous laisser le temps de refaire le plein, de réparer, de refuel, restock, tout ça. Moi, faut... je vais réparer le vaisseau et surtout, j'ai surtout le changer. Gladiator pour le... Idriss ou pas? Ça dépend. Si jamais on a un bombardier T9, je prendrai pas le Gladiator, mais si jamais on n'a pas de bombardier, bon bah. Reste à voir le reste de l'armada. Ouais. Le mien, je peux pas le prendre, il bug le Tali. Au pire, je peux vous en sortir un de Tali. Hein. Ouais. La tourelle du Perseus, c'est du T7. Alors c'est oui. Une toile taille 7, donc deux taille 5, ou c'est une toile qui porte du taille 7? C'est une toile qui porte, je crois que c'est une toile qui a une taille 7. C'est une toile qui a deux taille 7. Deux taille 7, donc ça veut dire que c'est une toile taille 9. C'est violent quand même. Mais clairement, le fait de... Enfin, excusez-moi, je reviens par rapport au dogfight qu'on vient de faire là, mais le fait d'envoyer les contre-mesures en chapelet, c'est tellement classe. Ah, en plus, ils ont retravaillé le sound design et il est tellement, tellement bon. Par contre, mon vaisseau a pris cher. J'ai du major torque balance non-stop quand je fais des manœuvres. Ah, moi aussi, je m'attendais pas à ce qu'ils allaient rework l'armement du. Des. Ah, des bugs. En balistique. En soi, c'est pas mal parce que c'est. C'est des bestioles qui, au moins maintenant, font un petit peu de défi quoi. Alors, le Perseus, il peut balancer les torpilles taille 10 normalement, si j'ai pas de conneries. Non, c'est des torpilles taille 5, je crois. Il en a une tête à chier. Ah oui, non, c'est pas le. Non, je confonds, 5. Putain, oui, non. Putain, dans ma tête, je. Excusez-moi, dans ma tête, j'avais le Polaris en tête depuis tout à l'heure. C'est pour ça que les tourelles taille 7, ça me surprenait. Non, oui, autant pour moi, je confonds. J'ai confondu en effet le Perseus, le gunship de chez RSI, le dernier qui était révélé. Je reviens, je vais aux toilettes le temps que ça refuel. Ça marche. Et répare surtout. Je suis dans le serveur du coup. Ça marche, bah écoute. Cool. Je vais pouvoir t'inviter. Razax, invite to party. Accepté. J'ai pas encore la mission pour le coup. Je vais regarder si je l'ai moi du coup. Et ça t'assoit, Calus.
Est-ce qu'il y a un magasin déjà de d'armes de vaisseau dans Hearthstone? Non, il me semble pas. Il y a Megan Solo aussi qui est dans le groupe, enfin qui est dans le serveur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais l'inviter également. Même s'il n'est pas en vocal, c'est pas grave. On a besoin de toute la puissance de feu pour le coup. Yes. Donc au moins là, c'est. Ah ouais, il nous faut un coup de main, ouais. Là, on va taper de l'Idriss, donc. Voilà. Mmh. Oula, c'est quoi ce truc-là? Pourquoi est-ce que je vois tout en bleu? Ah, moi aussi, ouais. Ah, c'est un bug de 3.12, ça. Oui. Je vais décoller, alors. C'est bon, je vois plus tout en bleu. Et le T-Led. Et ben, voilà. Alors. J'ai une mission. Ah déjà, moi je relais vers Hearthstone. Ouais, j'ai une mission pour Darlington aussi, mais c'est pas. C'est une mission à 10500, donc je sais pas si c'est. Non, c'est un truc précédent. Mais je vais revenir du côté de Hearthstone et puis non, on verra, on va voir de suite. Yep. Moi je suis à Everest du coup. Ah, je crois que j'ai le bug du Quantum qui veut pas Quantum. Non, t'inquiète pas, c'est moi qui ai le lead. Non, je pense que je suis trop loin. Ah si, c'est moi. Moi qui ai le lead. J'ai eu peur. C'est bon, en 3-11, ce bug m'a suffisamment tétanisé, c'est bon, j'ai le droit d'avoir peur. Bon, on a environ 2 heures pour se faire l'Idriss. Bon, c'est ça. Alors, elle va le faire. Juste qu'il spawn. Ouais. Il va spawner. Il faut qu'on ait la mission. Hier, on a mis 2 heures avec Snaken, juste avec le Hurricane, donc ça va. Juste avec le Hurricane? Ouais, donc là, à 5, ça va passer large. Et en sachant qu'au début, on avait attaqué avec les Auroras. Ah oui, c'est vrai, vous vouliez le faire, ça, à la base. Putain, c'est bah, on l'a fait hier. Faut être vraiment courageux, pour le coup. Hein. Ouais. Par contre, pourquoi est-ce que j'ai aucune mission? Et j'ai que la mission de mercenariat. Je crois que le serveur est dans le mal, en fait. Pire en chambre. Ah, le jeu vient de comprendre que je suis autour de Hearthstone. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas encore la mission. On a l'équipage manquant dans la constellation. À la limite, en attendant qu'il nous fasse spawner la mission. Donc, je vous la partage si vous voulez. Okay. Ah, attends, j'ai un missing crew. Bah, je crois que c'est le même que celui que je viens de récupérer. Non. Magda. En effet. Bon, moi je pensais que c'était une mission qui pouvait être le complément de celle-là en fait, je voulais regarder d'abord. Je suis parti sans toi, Rose, désolé. Je suis parti sans toi, pas de problème, sale. T'inquiète pas. Pas de problème. J'avais sauté sur l'OM pour reset mon truc de saut. Visiblement, l'épave est en surface. Et en sautant sur OM2, il y a des chances qu'on soit plus proche. OM2 sur Magda. Compris. Ouais, c'est ça. OM2 sur Magda, on se retrouve à même pas 300 bornes de la cible. À 290 bornes de la cible. Je suis vraiment content qu'ils aient enfin intégré la mission de l'Idriss, parce que je rappelle que c'est la raison pour laquelle j'avais récupéré le Vanguard in-game. Hein. C'était pour l'Idriss. Moi, on ne me jugera pas pourquoi je veux une Valkyrie. Pour taper les Idriss avec une Valkyrie? Pas logique. Non, non, pour tirer sur... Qu'est-ce que? Qu'est-ce que? Hein, j'avais une grosse lumière bleue. Oui. J'avais une grosse lumière bleue aussi. Donc ouais, non, je veux un Idriss, enfin je veux un Idriss, voilà. Non, je veux une Valkyrie pour tirer sur la faune, pour chasser. Normal. Ouais, c'est... Si tu veux. Sur le Yeti. Ah ouais, c'est ça, c'est je veux faire un event entre potes et tout, où on va rentrer dans la Valkyrie, dès qu'on voit du Yeti, dégommez-le. Alors Elir, c'est normal, faut que tu regardes dans le channel règlement, pour comprendre le pourquoi du comment t'as pas accès au vocal.
la pêche et la dynamite. Si jamais un jour il rajoute des poissons, on pêchera avec lance-grenade. Et il y aura de la pêche, enfin pas de la pêche, mais il y aura des poissons. Je rappelle que CIG a pour ambition d'intégrer un gameplay aquatique. Alors peut-être pas aussi poussé que la Subnautica, mais en plus de toute façon pour l'instant on n'a aucune révélation par rapport à un véhicule sous-marin. Donc c'est encore du temps quoi. Ouais, pêche au Railgun, bah ça, comme dans... ça me rappelle dans les 11 commandements. Le film de Michael Youn, où il pêche au bazooka. Bah écoute, tant qu'on peut faire comme dans Far Cry 4, c'est-à-dire pêcher au C4, il faut un poisson, bah il est dans ce lac, très bien, je balance un C4, je fais péter avec un peu de chance, il va y en avoir 3-4 qui va sortir. Pourquoi est-ce que je suis pas surpris de la subtilité de Horus, quoi, sérieux. Alors c'est la pêche au C4, j'ai jamais pu faire parce que j'ai pas Far Cry 4, mais c'était Bob Lennon et Fanta qui faisaient ça. Parce que la pêche est tellement chiante dans Far Cry 4, qu'en fait ils pêchent pas. En même temps, je connais assez peu de jeux où la pêche est intéressante. Bah, sur Horizon Zero Dawn, pour pêcher, c'est tu dégaines ton arc et tu tires. Bah, généralement, moi j'aime bien la pêche quand c'est un mini-jeu un minimum bien fait. Mais là, c'est bof. C'est bof, bof. Y'a Magun Solo qui dit ça sent la 30K ce serveur. Non, ils ont résolu les 30K. Non, ils ont pas résolu, ils ont résolu. Ah, je sais, je sais. Je troll. Mais non, il n'y a pas 30K pour l'instant. Peut-être qu'elle va arriver tôt ou tard, mais bon, voilà. Puisque là, depuis tout à l'heure, il y a... C'est Razak qui est derrière moi ? Ouais. Oh punaise, c'est beau, je vois vos entrées atmosphériques alors que je suis à 4 km de vous. C'est vrai qu'il y a l'entrée atmosphérique, là. Ah putain, je vous vois, c'est magnifique. Regarde, bah, moi, derrière toi, Derko, il y a Razak derrière toi, normalement. Ah oui, je vois. Je vois. C'est beau. Ouais. J'ai fait un screenshot. Je crois que tu as vu également notre nez derrière moi. C'est fort probable. J'en ai vu deux, donc je savais pas qui était qui, mais... Ouais, j'ai pas encore fait d'entrée pour le moment. On le voit de loin quand même. Hein. Je pense que l'effet, tu sais, on peut voir les entrées atmosphériques du sol, je crois que ça marche, on dirait. Bah, s'ils ont augmenté la distance de rendu, pourquoi pas, hein. Peut-être. Bah, toi, Derko, tu étais environ à 15 km de moi quand ça s'est fait. 15 km, ça commence à être une bonne distance, en effet. Je rappelle qu'on voit les nuages... On voit les nuages des Lagrange depuis les planètes des... Ouais, mais ça, c'est du macro, donc ça, à la limite, tu vois, c'est... C'est... Ouais. Ça me surprend moins. Oui, on parle quand même de millions de kilomètres. Hein. Oui. Ça reste du million de kilomètres. Enfin, milliers à millions. Après, c'est pas censé être. Ça s'affiche comme une tache noire comme ça aujourd'hui. Hein, c'est... Oui, oui. Quoi qu'on la voit, enfin, c'est surtout quand tu la vois à travers l'atmosphère, c'est une tache noire, mais. Ça reste quand même notable. Ouais. C'est peut-être pas voulu l'affichage comme il est actuellement, mais. Voilà. Alors, il manque un truc, mine de rien, qui est vachement important sur le HUD des vaisseaux, sur le tableau de bord des vaisseaux. C'est l'indicateur comme quoi t'as les phares qui sont allumés ou pas. Ouais. Ouais. Bon, c'est un constellation, ça va aller assez vite normalement. Ouais. Ah, mais en fait, c'est. Mm-hmm. C'est ton Vanguard qui fait ce bruit là ? Mon Vanguard qui fait ce bruit là, c'est à dire. J'entends des tout 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 quand tu te rapproches donc. Je sais pas ce que c'est. Bah, mon Vanguard il fait pas ce bruit là. Il a un bruit tout calme quoi. C'est quoi la tache noire ? C'est les nébuleuses, enfin nuages de Kordilevski techniquement plutôt, que l'on voit depuis les planètes. Donc les nuages de gaz que t'as sur les points de Lagrange. Oui, il fait un peu frais. Un petit peu, ouais. Vous avez pris une petite laine, j'espère. Un peu, oui. Alors au moins, non, que du blindage. Alors je vois déjà deux corps devant moi. Donc trois corps même. Ah, le talon comme ça avec cette lumière, on dirait qu'il est rouge. Et il est rouge. C'est le skin rouge du talon. D'accord, orange. Ok.
Oui, rouge orangé. Moi, je l'appelle le skin Phoenix personnellement. Bon, bah moi j'ai déjà trouvé trois corps en un endroit. Razax, ça va, je viens de te voir voler. Je viens de me casser la gueule. J'ai vu ça. Par contre, ce qui m'énerve sur les constellations, c'est qu'il y a trop de corps par rapport à tout ça. Ah oui. Il y a 6 personnes. Non, il devrait y en avoir 4, ouais. Non, c'est surtout. Oula. C'est des doublés. C'est sur AQ, j'ai volé. Oui, il peut y avoir des doublés. Il y en a 8, 9 et tout. Il y a beaucoup plus de corps qu'il devrait en avoir. Le pilote, ça a été fait. Par contre, il y a un truc qui tombe. Il y a un props de Skyrim qui bug quelque part. Donc les deux dans le cockpit, c'est fait, c'est ça? Non. Ah, parce que là, j'en ai 4 dans le cockpit. Et ouais, c'est ce que je te dis. J'en ai interagir avec, mais non, ça marche pas. Ok. Peut-être buggy, cette mission, peut-être. Ah. J'ai trouvé un. Trouvez-en un maximum, pensez à l'argent. Ouais, les trois à l'arrière, je présume que tu les as déjà analysés, Audi. Ouais, tous ceux qui sont groupés dehors, oui. Ok. Bon, ceux-là, ils faisaient partie de la mission. J'ai. Okay. Ah non. Celui-là là-bas aussi, du coup, trouvera. Et à l'intérieur, y'a rien. T'as l'intérieur à l'arrière, y'a que dalle. Par contre, c'est qui a pas coupé. C'est Horus ça, qui a pas coupé les moteurs de son sabre. Non? Pour moi, il est coupé. Ah bah pour moi, je vois les moteurs qui. Le mien est bleu. Ah, c'est Audi alors, ouais, peut-être c'est Audi. Ouais. Non, le Hornet, il est bien coupé. Parce que pour moi, y a un sabre. Ah, ça doit être un jour en plus. Voilà. Non, ma gueule. Il a pas coupé son moteur, il pense pas à la pollution, c'est pas bien. Ça va, ça crache de l'eau. Ah mais le tintin que t'entendais tout à l'heure Audi, c'est une caisse qui est bloquée dans le cockpit. Quoi? Mais c'est bien ça, c'est bel et bien un prop de Skyrim qui bug. Ah non, c'est pas ça, moi le tintin ça vient du Vanguard chez moi. Hein. Moi ça vient dans le cockpit. Moi aussi ça vient du cockpit pour le coup. Mais là... Ah là, on va plus chier. J'avoue, je sais... Il reste qui à trouver. Mission acceptée. Il nous manque le chef ingénieur et le chef de scan. Le chef de scan devrait être dans la partie médiane du vaisseau. Et le chef ingénieur devrait être vers l'arrière. Je cherche au niveau des débris un petit peu autour. Moi je vois rien. Hein. Voilà. Au pire, on peut laisser tomber la mission. On a déjà fait 4 sur 6. Ça fait les deux tiers de récompense. Bon, je remonte dans mon vaisseau parce que bon, je suis à 35 degrés Celsius en température corporelle. Ouais, c'est un peu frais. Commence à faire un peu frais. Ouais. Allez, salutations Minuko. Puis au pire, on laisse tomber la mission, hein. c'est pas grave. Ouais. On est deux tiers, ça passe. La mission de l'Edris est apparue ou pas? Je te dis ça une fois que je suis de nouveau à bord de mon vaisseau. Je coupe la mission, moi. Alors, c'est pas une planète gelée, c'est une lune gelée, Choquel. Attention, nuance. Et merci, Chardouine, pour le follow, merci beaucoup. Non, c'est bon. Non, je suis toujours pas la mission. J'ai une mission à 61 000 où il faut récupérer, où faut flinguer plusieurs mecs, mais bon, elle est chiante cette mission. Moi j'ai la même, mais c'est plus 20% de bonus du coup. Avec la réputation. Ah, ça peut être intéressant. Du coup, c'est 60 000. Ah, t'as des bonus de réputation? Ouais, je suis leader, sécurité, je sais pas quoi. Là. Du coup, j'ai 20%. Avec la bien ça. Intéressant. Ça, je savais pas. Du coup, c'est et salutations Blackburn. Ah oui, ça rapporte pas mal. Ouais. Bah écoute, dans ce cas, envoie la mission et partage. Hein, si tu veux qu'on se fasse ça le temps 2. Bah, ça permettra de patienter. Ouais. Le temps que l'Idris veut le gentiment spawn. Ok, mission acceptée. Je vais m'occuper de Dave Bros sur Ariel, en cas. Ah, c'est bon, j'ai reçu. Dave Bros. Sur Ariel. Il y en a que 3 donc.
moi déjà je vais sortir l'atmosphère pour voir ce qu'il reste à taper. Alors. Ouais, je prends Baron. Sur Magda. Le Vanguard il est bien, une taille 5 et 4 taille 2 quand même pour le pilote, c'est ça. Il a bel et bien ça. Sachant que 2 séries, c'est 4 taille 2 sur le, dans le nez et une taille 4 articulée sous le nez. Personnellement, je préfère passer en fixe. Ouais, je crois qu'il y en a 2 sur la même zone. Oh oui, c'est ça, sur Magda, il y en a 2. C'est souvent le cas, même des fois 3 au même endroit. Ah bah au moins ça évite le canto, mais je te dis pas le fight. Alors attends, qui a pris Dev Bros? C'est Derko. D'accord. Ouais. Tu peux me rejoindre hein. Ouais, si tu... je sais pas, il y a... On sur... sur les cibles doubles. Ah d'accord, ok. Bon bah allez, je rejoins. On est avec Megan Solo, avec... on est sur Baron. Et Satation Fallen Guns. Alors, il y a un petit détail qui me chafouine, mine de rien. C'est lorsque tu descends de ton vaisseau et que tu remontes dans le vaisseau, t'as plus le nombre de contre-mesures qui est sectionné que tu avais. Tu resectionnes ton bon nombre de contre-mesures. Ouais, malheureusement, c'est. Il est taillé comme ça encore qui reste à affiner. À régler. À peaufiner. Bah, la sauvegarde de tes paramètres de vaisseau en fait. C'est ça. Ah, il y en a un qui a spawn. Ah, pareil. Il y en a le deuxième qui a spawn. Moi, je m'occupe de. Hop. Gyoku Veil, je sais pas comment ça se prononce. Ah non, il a pas encore ce moment. Un Hurricane, c'est fragile, ça va. Ouais, moi aussi. Marcher. Mais et c'est à son Willy. Ça va, oui, t'as fragile. C'est fragile. Ah oui. Ok, j'ai reçu 300, merci. De rien. Bah, il reste plus que. Il en reste 2 à flinguer. Non, mais en effet, c'est fragile. Hein. Je suis sur place, sur des bras. Ah! Spawné. Ouais. Valkyrie. Valkyrie. Passe pas au centre, hein, y a débris invisibles. D'accord. On fait le tour de. On fait le détour du champ d'astéroïdes. En fait, ça, y a les grosses architectures de. Et voilà. De stations qui apparaissent pas. D'accord. Ça m'est arrivé 3 fois hier. Ok, il est sur moi. On peut y aller. Les armes, je les ai pas activées. Bon, après, il y a l'escorte qui spawn. Ah, l'escorte est chiant. Normal, on a plus de mecs, mais. Est-ce qu'il y en a qu'une seule de neutraliser? Non, non, il en reste un à neutraliser, c'est celui de Audi et moi. Ah. L'escorte, ça vaut pas à peine, ça vaut pas assez cher. Oh, c'est toujours un petit bonus. Hein, c'est petit, hein. Quoi? Il dit que j'ai chopé un Kramstad, c'est quoi ce bordel? Ah, oui, quoi? C'est un bug. C'est un bug ça. Ça m'est arrivé. Des fois, enfin une fois sur 1000 ça arrive quoi. Ah, on adore. Ouais. Eh bah génial hein. Caria ou Lyria du coup? Bah ça va être plutôt Caria hein. Allez, go. Que je regarde tout de même si j'ai du... si j'ai avec j'ai des moi s'il faut. J'en ai aussi, je dois avoir des Ice Peaks. Ouais j'ai des Reauthorizer, c'est bon. Ah l'Ice Peak, moi franchement j'adore, c'est fiable et c'est rapide. Bon c'est plus cher certes, c'est... mais... Et c'est à son cauchemar. Je commence à préparer le son sur Crusader. Moi je chante déjà. Ah bah moi aussi hein, je chantais un chanté hein. Moi aussi. J'adore ce bug de shaders qui rend mon écran bleu. Ouais mais ça c'est un bug de la 3.12 hein. J'adore quand ça dure une bonne dizaine de secondes. En fait faut regarder ailleurs quoi malheureusement. Alors oui mais ouais, j'ai vu mais le truc c'est que je vais pas faire d'entrave par rapport à au mécanisme qui est mis en place pour le Discord. J'aurais jamais cru expériencer une flashbang dans la vraie vie. C'est pas dans la vraie vie, c'est dans le jeu. Ah, ça là, c'est mon écran qui l'a fait. Ah, d'accord. C'est quand j'ai dit l'écran est devenu tout blanc, mais
Bah moi, ça me l'a fait aussi tout à l'heure, mais quand j'étais posé sur la station. Ouais, mais je sais pas si ça a duré une dizaine de secondes. Et Banane également. Oui, ça a duré une dizaine de secondes aussi, mais sauf que je passais en troisième personne et Volta, ça me posait pas problème par rapport à la visibilité. Je viens d'apprendre que le MSR sortira du Pledge Store demain. Ça veut dire qu'il ne sera plus jamais achetable sur le site, à votre avis? Ça veut dire qu'il sera achetable uniquement aux events où tous les vaisseaux sont achetables, tels que la vente anniversaire. Alors, Magun Solo, je suis pas sûr que ça veut dire que le vaisseau reviendra plus cher. Franchement, je suis pas convaincu. Non, au moment où il augmente de prix, c'est quand il va pour sortir. Bah, c'est quand il. C'est ça, c'est en fait quand il quitte. C'est pas tellement qu'il augmente de prix à ce moment-là, c'est juste que lorsqu'il est vendu en concept, généralement il est vendu moins cher et surtout il est vendu en LTI. Bon, exclamation LTI pour savoir mon avis sur la LTI. Et après, quand il sort de sa phase concept et qu'il est sur le point de sortir, bah, son prix est réajusté par rapport aux modifications que CIG a faites sur le vaisseau. Un exemple simple, on prend l'Orion qui à l'origine devait faire dans les 200 mètres, puis au final qui est passé à 400 mètres pratiquement. Et qui maintenant, je crois qu'il s'est stabilisé autour de 300-350 mètres, je sais plus. Bref. Je me mets en stand-by du côté des Veris Arbor au cas où l'Idris spawn. Ça marche. Derko est en bonne compagnie là. Par contre, vu qu'on va être sur Caria, dans le doute, on va équiper une arme un peu plus cohérente. Genre un petit ravageur twin shotgun avec un pointeur laser et une gamma. Ça, mine de rien, ça a fait ses preuves par le passé. Ouais. Moi, je suis content, je me suis enlevé un fardeau, j'ai plus besoin de recharger. La subtilité par Horus, il prend une batteuse avec 120 balles dans le chargeur. Comme ça, il a pas besoin de recharger. En plus, faut que je fasse gaffe parce que, étant donné que je joue à Ghost Recon Breakpoint et que j'ai mis l'option qui fait que si jamais tu recharges alors que ton chargeur est plein, bah tu perds les balles. Ce qui est débile parce qu'en théorie, tu gardes le chargeur même si le chargeur n'est pas complètement vide. Mais bon, c'est toujours mieux que d'avoir des chargeurs qui se remplissent magiquement. Ouais. Donc j'évite de recharger, sauf si jamais je sais que je vais entrer en combat ou que il y a des ennemis costauds. Bah moi c'est ce que, ouais, enfin Ghost Recon mine de rien c'est un TPS RPG, c'est-à-dire que t'as un système de leveling etc, donc de résistance par rapport aux adversaires. Mais moi ça c'est un truc que j'ai pris comme habitude sur SC en regardant beaucoup de youtubeurs sur CS par exemple. C'est tu recharges pas à moins qu'il te reste plus de balles dans le chargeur ou plus assez pour pouvoir maintenir un affrontement. D'ailleurs que moi ça me stresse quand je regarde par exemple des youtubeurs sur CS, que je vois qu'ils ont un AK-47 en main et qu'il reste 3 balles dans le chargeur et qu'ils rechargent pas. En même temps les mecs ils font un one tap directement dans la tête, ils tuent le mec. Donc 3 balles dans le chargeur techniquement pour eux ça fait 3 morts. Tu fais bon. Tu m'étonnes qu'ils rechargent pas. C'est une des raisons que j'aime pas regarder du CS, c'est pas mon style de gameplay. C'est ça fait partie des jeux où plus tu connais le jeu, plus t'es fort. Mais le problème c'est qu'il faut vraiment vraiment bien connaître le jeu pour être bon dessus. J'aime bien la notion de prix chez CIG, j'affiche le MSR, il a 235$, je m'authentifie, il passe à 270. C'est pas tellement une notion de prix chez CIG, c'est une notion de taxe en France. Ouais. Parce que en fait, aux States, y a pas les taxes par rapport à ce genre de truc. En France, t'as 22% de taxes. Voilà, voilà. Donc, dis merci à Macron. Oh, c'est pas Macron qui a inventé ça, malheureusement. Ouais, mais bon, voilà. Mais bon, voilà, c'est... Il a pas enlevé, quoi. C'est ça. Oui. Ah, putain, vu que je suis pirate niveau 1, il y a les toiles qui me tirent dessus. Chut. Bon, je suis obligé de mettre mon vaisseau en stand-by en dessous. C'est vrai qu'à Caria, il y a des toiles de défense. Ouais. Je pensais que c'était un mythe à la base. Bon, mon vaisseau est en stand-by sous la station.
Je viens d'arriver à Kerrière. Ok. Je suis en train de sauter sur Céline. Voilà, on va fermer le vaisseau. J'arrive sur zone, vous avez pensé à faire un ping au cas où ? Non. On fera. Je rappelle que les pings, on détecte les vaisseaux même si jamais ils sont furtifs. Il n'y a personne. Parfait. J'espère c'est mécanique, faut pas oublier celle-là. J'espère qu'il n'y aura pas de PNJ sur zone. Ça me ferait chier. Et du coup, Pyro, vu que c'est prévu plus ou moins au même moment, de quoi ? Par rapport à quoi ? Par rapport au server meshing et tout ça ? Normalement, ça devrait... On ne sait pas exactement quand est-ce que ça arrivera, mais bon espoir que ça arrive 2021. Bon espoir. Après, il n'y a aucune date officielle par rapport à Pyro. Pyro arrivera soit après, soit avec le server meshing. Normalement, ouais, c'est ça. Soit après le server meshing, soit en même temps, ouais. C'est ça. Les plans d'il y a quelques mois, enfin ce qu'il avait dit ça en octobre, c'est qu'ils le sortent en même temps. Ouais. Mais bon, sachant que le server meshing, bah c'est même pas sûr que ça soit pour cette année. Donc ça voudrait dire que Pyro, c'est même pas sûr que ce soit cette année. Ouais. Ah, c'est inadmissible, c'est du retard, non on veut le jeu et tout, on veut que ce soit sorti le plus vite possible, et après qu'on s'est bugué quand ça sort. Ah, c'est inadmissible, c'est bugué, Excusez-moi. Je suis dedans, il y a l'air d'avoir personne. Ok. Je reste en espace, en patrouille. Ça marche. Étant donné que je suis hyper furtif. Pas hyper furtif. Bizarre. Quand même, si. Enfin, si, quand même, ça va. Bah. Je suis vers l'ordinateur central, il y a personne. Ok. Eh ben, j'arrive alors. Vous voyez les pings passer, c'est moi. Alors, c'est 4, c'est ça ? Oui, c'est 4. Bon, bah y'a plus qu'à attendre 5 minutes. Après personne en parle, mais moi j'attends beaucoup le stem quantum. T'es pas le seul, mais j'en parle assez... Enfin pas souvent, mais régulièrement on va dire. Et cette façon cuisse de poulos. J'aime bien le pseudo. Cuisse de poulos. Ah ça chill. Enfin, c'est Mike Gunsolo. C'est un cousin à Rastapopoulos. Ah, toi aussi, t'as pris la batteuse. Ouais, efficace, quand même. Comme je dis, elle reste toujours inférieure à la Demeco. Mais qu'est-ce qu'elle est marrante à utiliser. Le stem quoi ? Le stem Quantum. Alors non, Foxwise, c'est juste qu'il y a un bug, j'ai flingué un pirate et en fait, il m'a dit « Hey, t'as chopé un Crumstat ». Ouais, ouais, ils disent tous ça. Moi j'ai mon replay qui peut servir de preuve. Donc, le système Quantum Master Tagala, c'est le système qui va gérer plus ou moins tout ce qui est probabilité de rencontre des PNJ, ainsi que tout ce qui est événements dynamiques dans le jeu, tels que par exemple la variation des prix, des différents matériaux en fonction des ressources premières, de la disponibilité des ressources premières, etc. Et tout ça en temps réel, en dynamique. Pour ça, il faudra attendre, bien entendu, le server meshing pour que ce soit intégré. Parce que c'est quelque chose qui va gérer l'économie dynamique, de façon générale. Ah, c'est ce que j'allais dire. Je suis pas expert en la matière, mais il faut pas le server meshing pour que ça marche, le truc, normalement ? Bah, techniquement, pas nécessaire, mais si tu fais... Si t'intègres Quantum sans le server meshing, c'est-à-dire que sur un serveur, tu auras des données particulière et sur un autre serveur tu auras d'autres données. Ouais. Donc tu auras pas le même équilibrage. C'est déjà plus ou moins le cas en plus. Avec les systèmes de revente et... Après là c'est borné donc... Oui. Enfin, dans la simulation qui... Enfin, ouais. Dans la simulation qu'ils nous avaient montré à la sitcon, c'est qui ça? C'est Magancello, ok. Parce que y a ton marqueur qui était à côté. Dans la simulation qu'ils nous avaient montré avec un générateur de bouclier, ils avaient réussi à les faire monter à je crois plus de 500 000 crédits. Générateur de bouclier taille 1, tu fais. Fait cher quand même.
Oh, il est rouge ton F-gun, trop bien. Ouais. Et ça t'asseoir, Tulo. Ouais, je vois que beaucoup de gens l'aiment bien la FS9, hein. Étant donné que moi je suis un casanier, je reste avec mes armes de prédilection, c'est-à-dire le fusil à pompe de chez Castac Arms et le scalpel de chez Castac Arms. Oh oui, ça marche bien. Puis de temps en temps la P4, parce que mine de rien la P4 reste une arme excessivement polyvalente comme je disais hier. T'as une bonne portée avec, une cadence de tir qui est respectable, qui fait que l'arme est largement contrôlable. Tu peux lui mettre un frein de bouche pour vraiment avoir pratiquement aucun recul dessus, c'est... Avec un petit pointeur laser et un VPR. Nickel. Ah, il y a Megan Solo qui dit que la mission My Secret vient de popper pour lui. Alors le problème c'est que moi je crois pas que je vais la voir, parce que pour l'instant... Ouais, pour l'instant c'est je pas dans peux Personnel, c'est dans Bounty pour l'Idriss. Ouais ouais, mais le truc c'est que, étant donné que j'ai un crime stat, je la vois pas. Ouais, mais ouais, si on la verra pas en fait. Ah ouais, va falloir que tu te fasses, tu prennes le plaisir de refarmer ta réputation. Bah non. Ça va la remettre. Ça va la remettre. Alors, pour les devises, merci, je crois que c'est pas. Dis-moi si, la si, fille. Ça m'est arrivé parce que quand on l'a battu, bah avec Audi, Snakem et Mac. Ah oui oui. J'avais eu du capstat et après c'était bon quand j'ai enlevé. Par contre, pour toutes les autres missions en général, alors moi, tu vas falloir que tu te refermes une réputation. Ah, Magan Solo, il parle du premier contrat pour lui, pour My Secret, ouais. Donc ouais. Ah ouais. C'est pas encore celui-là. Oui, c'est en personnel, c'est pas dans Bounty du coup. Les... Mais ouais. Ça, j'ai découvert à mes dépens comme quoi il y avait plus. Enfin, déjà la réputation pirate ou non pirate. Où j'avais pas de mission en général, pratiquement pas. Si ce n'est 2-3 missions ECN Alert ou. Ou les. Les Jumper. Non ouais, ça c'est ça a toujours été un peu le cas. Hein. C'est oui, mais c'est la seule mission que tu peux faire si jamais t'as une réputation ni pirate ni pro UE. C'est la seule que tu dois faire pour te refaire une réputation bonne. Par contre, niveau mission pirate, t'as le choix. Hein. Allez, c'est quelques secondes. Yes. Wrongful Arrest, très bien. Arrêté à tort, c'est exactement ça. Ah bah pour le coup c'est vrai. Et c'est bon, on peut redécoller. Allez. Bah merci les gars de m'avoir escorté, c'était top. Donc retour à Hearthstone. Il me reste combien de quantum Tu vas devoir faire un pit stop je pense, ou alors il va te rester tout pile assez. J'ai 56, donc je pense que je peux le faire. Ouais, il va te rester tout pile assez quoi. Mais d'abord, je pense que je vais d'abord sauter sur HURL, hein. Ça, je vais pouvoir sauter sur la station. Et surtout, ouais, non, c'est on a. Non. On a pas de bombardier, donc je sortirai le gladiator. Ok. On a déjà un sabre pour me remplacer, on va dire. En plus d'avoir un. Bon, un talon. Alors, est-ce que Derko va survivre à son entrée dans son vaisseau? Bah alors, j'ai déjà fait plusieurs missions de 840 jump, à aucun moment je me suis ne serait-ce que blessé en entrant dans le vaisseau. Donc j'ai l'impression qu'ils ont un minimum corrigé le problème. Et ils est-ce ont que même de la chance. Moi aussi pour l'avoir fait, et je trouve que même on retombe, enfin, se pète moins la gueule comme un gros caca par terre. Alors, il y a Caput Mortum qui dit le système Quantum semble être révolutionnaire. Je me demande si CIG n'envisage pas de le refourguer à des tiers une fois bien peaufiné. Aucun problème avec ça. C'est de la R&D, c'est normal. Par exemple, Frontier Development avec un petit haha. Alors, par rapport à ça, Caput Mortum, c'est un truc que c'est un sujet que j'avais abordé dans la vidéo. Star Citizen déjà un succès pour l'interrogation. Je disais que certaines technologies, CIG voulait très, très clairement en fait les revendre les licences pour l'utilisation de ces technologies là. Et de la même façon à côté, CIG est très intéressé par les technologies tierces, un truc tout simple. Récemment il y a eu la révélation de l'UE5, donc l'Unreal Engine 5,
avec donc des polygones qui sont des, non pas des polygones mais des triangles, qui permettent donc une finesse de texture jamais vue, qui intéresse énormément CIG par rapport à ça. Et là vous allez dire oui mais ça c'est dans le futur, donc c'est quelque chose que on peut pas encore, c'est pas quelque chose de tangible, etc. Alors je vais vous donner un exemple tangible. Les nébuleuses qu'on a actuellement, nébuleuses avec des guillemets parce que c'est pas des nébuleuses, je rappelle, c'est des nuages de Gordylaski. Eh bien c'est une technologie qui vient du monde du cinéma. C'est une technologie qui a été développée par DreamWorks, notamment qui est visible dans le film Dragon. Et citation Rashka. Et merci pour le follow. Ce genre d'échange de technologie, on va dire ça comme ça, c'est quelque chose qui est assez commun dans le monde du jeu vidéo, et même pas que dans le monde du jeu vidéo. Je suis en spool vers Hearthstone, est-ce qu'il y a quelqu'un qui spool avec moi ou pas? Là je vois personne. Non. Non? D'accord. Moi, je vais faire ce plat à moi avant. Le VA est devenu un peu relou à se diriger, ou c'est moins, car ce matin j'ai fait la PA Wanted, je me retrouvais à spin sans raison des fois, je me demande si c'est pas dû aux forces réactions. Alors si, tout à fait. C'est là sur la 3.12, t'es beaucoup plus sujet au... Lorsque tu prends un choc, de commencer à tourner sur toi-même. C'est un peu de mon courant qui a un petit problème avec ça. Mais ouais. Et ça est sur Eldar, des bonnes années également. La reprise se passe bien? Tranquillement. Là on va essayer de taper un Idris. Il est pirate. Là, je vais regarder si j'ai pas un... Ouais. Au pire, rien nous empêche de... Ah, faut que je récupère le Coltorams d'ailleurs. Rien nous empêchera de nous poser sur une station, de quitter le serveur, de mettre un nouveau serveur. Naturellement. Ça reste une solution. C'est bien relou car j'ai failli... C'est bien relou ça, j'ai failli rage quit. C'est un coup de main à prendre après, mais bon, c'est... C'est vrai que c'est relou. Comme le disait Odyssey, c'est un problème. CIG est au courant. Bon, après moi, ça me change pas, j'ai l'habitude de faire la serpillière quand je suis en EVR. Encore une fois, la subtilité d'Oros. Hein. Oh, je galère un peu. Enfin, là, j'avoue que c'est pire avec le bug, mais de base, je galère avec le EVR. Au moins, Coinzel, disons que ça va être c'est un bon entraînement pour pas taper sur tous les murs n'importe comment. Quoi. La force à faire attention. Voilà. Mais c'est vrai que c'est un petit peu abusé pour l'instant. Mais bon. En 3.10, les épaves de Caterpillar m'ont appris à ne pas toucher les murs. Ouais. Par contre, il y a encore une fois ton micro qui sature, hein, Ross. Ah ? Il doit être mal placé alors, un instant. Je pense que ce bug est survenu du fait qu'ils sont en train de bosser sur la conversion de l'EVA, le modèle de vol de l'EVA entre guillemets, pour qu'ils aient converti à l'EFCS. Ouais. On voit qu'ils sont sur le même régime que les vaisseaux en fait, en termes de physique, de propulsion, tout ça. Kovalex, c'est les débris qui font obstacle aussi, qui ajoutent de la difficulté. Ouais. Le micro qui sature, ça a l'air mal. Ça va avec le côté bourrin de Ross, donc ça me surprend pas. Non, surtout je pense que je l'avais mis trop près. Bah non, t'as bien réglé ton compresseur. J'aurais pas le problème. Bah là, le... Non, c'est surtout que j'ai essayé d'atténuer ma voix tout en étant bien audible. Donc, parce que le compresseur, malheureusement, j'arrive pas à trouver, et le compresseur qu'il y a sur le truc que j'utilise, il est pourri. Déjà le retour sur Hearthstone. En même temps, t'as l'un des meilleurs moteurs de saut de la catégorie. Ouais. Le crossfield, il est excellent pour ça. J'ai rien d'intéressant là. Je vais me poser sur HURL1 moi. Je pense que je vais faire la même, et à la limite on peut essayer de changer de serveur. Moi surtout faut que je boive. Moi aussi il faudrait que je boive et que je mange un peu. Je suis à 65% d'hydratation, ça commence à être ledge. Citation Kalima.
On change de serveur pour le coup? Ouais, juste le temps pour moi de me poser sur HURL. Okay. Hein, et puis on... Moi je vais sur Iberus Harbor. Alors on va attendre quand même savoir si tout le monde est OP pour changer de serveur. Genre Razax... Je suis encore en Ok, voilà, c'est pour ça. On va attendre que Razax il se pose avant de changer de serveur. Il faut que je me pose sur HURL. La même. Et voir si jamais j'ai le temps de boire. Bah, je viens de faire, mine de rien, c'est là que tu te rends compte que le Vanguard est vraiment un vaisseau longue portée parce que je viens de faire l'aller-retour entre Hurston et Crusader. Aller-retour. Hein. Il me reste 44% de Quantum Fuel. Eh. Moi, 17%. Large. En vaisseau de combat, ça va. Alors on va essayer de changer de serveur parce que il nous reste un peu moins d'une heure et demie pour faire l'Idris et je sais pas si ça va suffire en termes de timing. Ici largement. Largement ? Ok. Oui. Je me le suis fait 5 fois déjà donc. Ah oui d'accord. Ah oui. Mais même sans Monsieur, monsieur ouais. est un tueur d'Idris. Voilà. Bah hier 2 heures juste avec un Hurricane, 2 taille 4 et 4 tarantulas sur la tourelle. Ah ouais quand même. 2 heures, rentable. Oui. On a bien rigolé avec Snakem. Ah putain, 21h. Alors, il a pas pris en compte ma demande. Ouais. Et des fois, si on vise bien, on peut avoir son générateur d'énergie, du coup, il n'y a plus de bouclier et il bouge plus. Ah, ça peut être pas mal ça. Mais il faut savoir où il est quoi. Moi déjà je vais essayer de pas me faire descendre, ce sera un bon début. Et ceci grâce à ça qu'il y en a certains qui arrivent à piloter l'Idris. Ouais. Du coup je vais voir si j'ai la mission au cas où. C'est vrai que si tu l'as, ça nous évite de changer de serveur. J'en ai aucune, j'ai qu'un vrai joueur. Ok. Ouais, à mon avis je pense que le serveur est sur le déclin. Ouais, du coup, j'ai essayé de t'apprendre le Talon ou Constellation. Celui avec lequel t'es plus à l'aise. Bah, le Talon, mais Constellation, elle a une puissance de feu énorme quoi. Il risque pas de se faire poutrer avec toutes les scorts. Ah, l'Idris, il est très lent. Après les scorts, j'arrive à les avoir assez facilement. Après, il a 2 taille 5, 2 taille 4, quoi, ça va bien aider. C'est vrai qu'avec le Constellation, si jamais il est bien up niveau niveau équipement, ça niveau maniabilité, il peut faire un bon vaisseau de soutien. Ah, équipement, j'ai 2 remparts, Genoa et tout. Ah, donc tu l'as maxé quoi. Ouais. Snowpack, etc. Hop. Bon, le temps que tu arrives à Zax, je vais faire comme Horos, je vais me prendre un truc à bouffer et à boire dans le jeu. Et après, on change de serveur. Je suis à 2 sauts d'Evris. Y'a pas de soucis. Ah, voilà. Alors, fais gaffe, l'ascenseur de gauche est bugué. Enfin, de droite plutôt. Lequel? Quand tu vas pour descendre à la galerie. Ah, mais je vais pas à la galerie, moi je vais directement à l'entrée. À l'entrée directement. Ah, moi je vais prendre de l'eau parce que j'en ai marre de. Waouh, c'est bon, c'est du soda. Il est au régime, son perso. Exactement. Après avoir passé toute la 3-11 à bouffer. Ah, je prends une. Ah non, j'ai eu un lag. Du coup, c'était une 30K. Serveur, il a du mal là. L'ascenseur qui veut du temps à réagir. Ouais, ça va être un retour menu, Magunsello, t'inquiète pas. Pour ça, là, si t'as possibilité, Magunsello, pose-toi et puis. Il est déjà posé sur la rue, je te vois. Là. Ah bah nickel. Puis on va relancer. Avec un peu de chance, on va se retrouver sur le serveur où il y aura un serveur où il y aura l'Idris qui sera disponible. Ça m'arrive souvent, ça. Bah, le truc, c'est. J'ai l'impression que là, le serveur, il arrive pas à faire la suite de mission. Et il sauvegarde la progression du joueur, et donc quand t'arrives sur un nouveau serveur, il dit « Ok, il en était où le joueur ? Ok, je charge la mission. »
J'ai l'impression que c'est ça qui se passe. Ça pourrait bien. Bon, par contre, j'avoue que le lancer de canettes et de bouteilles dans la poubelle, c'est... C'est satisfaisant. C'est plaisant, ouais. Bah écoute Markoven, ça va tranquillement, tranquillement. Là on s'apprête à changer de serveur pour faire la dernière mission de Miles Eckhart où il va falloir flinguer un Illyris pirate. Donc ça va être rock'n'roll quoi. Je suis posé. Il veut pas acheter le hot dog, mon personnage. Essaye celui de gauche, il marche pas. T'es rupture de stock, le serveur. Ouais c'était le double hot dog, il marchait pas. Le dog simple il fonctionne. On va croire que tout le monde en prend. Ah, il est et pips, dans le futur on aura peut-être des... Les pips ils peuvent pas, hein. Donc je vais prendre du fizz. Non, y'a pas. The fresh. Non, c'est le serveur qui est dans le mal. Ouais. Info sur le serveur est totalement dans le mal. Bah, essaye d'acheter via la MobiGlass. Ouais, non, c'est bon. J'achèterai en décollant tout à l'heure. Allez salut Roar. Ah bah Roar t'arrives pile pas au bon moment, viens en vocal, on a besoin de puissance de feu. On va faire un changement de serveur et on va aller taper l'Illyris pirate. Tout ce que j'ai à dire. Roar qui fait Voilà, on a besoin de puissance de feu. Est-ce qu'on prend le métro? Les canettes en jeu c'est satisfaisant, en réalité c'est déprimant, grave. Avec Roar on sera 6 donc ça sera bon. Pour l'instant, il vient pas en vocal, hein, Roar. Ah! Bah le voilà! Je commence à désespérer. C'était sur ma tente. Eh bien, salutations! Coucou! Comment ça va? Ça va très très bien, jeune homme. Alors, malheureusement, faut que je mette à jour le jeu. Ah bah d'accord. D'accord. Non, mais je vois. On lui propose une pure mission où il faut flinguer un putain de vaisseau énorme, ça promet d'être épique, et lui dit « Ah bah non, je peux pas, je peux mettre le jeu à jour. » Non, pas peu pas. Je le mets à jour, j'ai la fibre, ça va prendre pas trop longtemps. Mais j'ai une deuxième contrainte, jeune homme, c'est que j'ai pas mon setup de près, là. Est-ce que c'est grave si je suis juste gunner là? Non, pas du tout. Tu te mettras dans ma tourelle, ça ira très bien. Alors je suis partant très rapidement. Je vois que le T2 en plus ça aidera pour un peu maintenir le feu constant. D'ailleurs au passage je vais peut-être choisir une musique épique par rapport à ça. Et la question est tu vas sortir quoi comme vaisseau? Vanguard. Alors, j'hésite. Est-ce que je mets du cyberpunk ou est-ce que je mets du squadron? Ah. Je mets du squadron. Où est-ce qu'elle est la musique? À quoi je pensais? Faut arrêter les gars. Il y a un villageois de Minecraft parmi nous. C'est l'admission. Eh bien. J'ai un seul gros fichier à télécharger à 20 mégabits par seconde, je sais pas combien de temps ça va prendre. Tu mets à jour de quelle version à quelle version? Enfin, d'à partir de quelle version? 3.11 à 3.12. 10 gigas. Non, mais la question c'est juste combien de temps, parce que là c'est marqué 12 gigas. Ça risque d'être peut-être un petit peu trop longtemps pour ton stream quand même. Hein. Pire, on peut partir sans toi. On peut t'abandonner sur le coin de la route. Non mais le temps qu'on s'équipe, qu'on se prépare, etc. Ok. Ouais. Donc je vois qu'il y a tout le monde qui est sur le menu, bon à part Roar bien entendu puisqu'il est pas encore sur le jeu, donc je lance déjà un serveur. Notez que j'ai mis une musique spéciale pour le coup.
C'est une musique tirée de Squadron 42, enfin Star Citizen directement. Le nom de la musique, c'est Stealth Command. Tu vois, là, je viens de faire... Je vais pas tarder à terminer le premier giga sur les 12, donc... Ouais, ça va être assez rapide, vite. Mais... Pas trop quand même, quoi. Il y a encore 2-3 minutes, quand même. Ah, j'ai pas mon casque. Oui, c'est normal quand tu retires avec la commande rapide. Ouais. Tu l'as plus. Alors, j'ai une question. Est-ce qu'il y a une musique spéciale pour la mission de l'Edris ou pas? Non, je crois pas. Ok, bon, bah, ça veut dire que je vais devoir mettre une musique particulière. Ah, je l'ai dit. J'ai le contrat. Bien. J'ai le contrat, ouais. Les gars. Bon, bah, sans... let's go pour le gladiateur. Alors, donc, voilà, déjà, en fait, Call to Arms, je prends. Le temps que je télécharge, le temps de faire mon setup, là, en fait. Ah oui, 225 000 crédits. On fait le tir ou bien, du coup? Je viens de le récupérer, je partage. Allez. Attendez, je vais peut-être pouvoir venir avec mon Vanguard Arbringer. Ok. Maltrox Arlington. Bon, par contre, les ascenseurs ne veulent pas. C'est pas que les ascenseurs veulent pas, simplement que t'es au même endroit que moi et t'appuies sur l'ascenseur pour qu'ils viennent. Et moi aussi. Récitation, t'as qu'à dormir. Des fois, il y a des inspirations pour les pseudos. T'as qu'à dormir. Oui, je sais, c'est bon, je me coucherai plus tôt la prochaine fois. Mais qui sont personnellement agressés à cause d'un pseudo. Je vous jure. Le serveur là d'être assez frais, les PNJ ont pas encore bougé. Je pense surtout que les astreins ne m'avaient pas spawn. Déjà d'aller dormir, t'es pas mon père. T'es le mec qui s'en... T'es pas mon père. T'as pas à me dire ce que je dois faire. C'est pas gentil. Un peu de calme, s'il vous plaît. Ah, je peux toujours pas me prendre un truc à boire, hein. On va essayer avec la mamie glace. Hein. Ah non, il y a plus de stock, d'accord. Ils ont oublié de refaire les stocks. Bah au pire, tu vas à la Galaria. Ah, c'est bon, il y a du fisco là. On va se reprendre une bouteille, enfin une canette. Ah, c'est rare. Je pense que la connexion n'a pas tenu le téléchargement des DLC et le Discord. Et merci Ménérez d'avoir fait un abonnement, merci beaucoup. Je peux pas prendre une deuxième canette donc c'est pas grave. Et bien donc 162 Ménérez, c'est pas incroyable, vous savez. Moi je vais jeter un veggie dans la poubelle, je vais essayer de voir si j'y arrive. Ah, il s'est rentré nickel. Et yo baba. Non, c'est Rohr qui est rentré là. Non, il y a Barbara qui arrive sur le chat aussi. Ah oui, d'accord. Donc Rohr, ta connexion a pas tenu, c'est ça? Mais ça continue de charger. Et du coup, j'en profite pour mettre mon setup. Ah, attends, je regarde quelle musique. Je fais le plus vite possible. Non mais en fait la box a décidé de se mettre à jour, c'est bien sûr au bon moment. Pas de pour moi. Moi je vais attendre que... Il y a une musique qui s'appelle Mission de combat. Bon, elle fait que 2 minutes, c'est pas top. Elle est plus que 9 gigas. Beaucoup trop calme cette musique. Hmm.
Ah, j'ai pas de musique tip top moumoute là. Tip top moumoute là. Parce que après, j'ai bien entendu musique un peu plus. Mais bon, c'est du cyberpunk pour la mission. Les Wushu Dolls. Sinon. Ouais. C'est vrai que j'avais pas trouvé de rappeur. Parce que pourquoi mettre du Doom quand tu peux mettre du cyberpunk? Hein? Alors, option, on va mettre le son. Parce on va mettre la musique. C'est quand même mieux, je suis désolé. Eh oui, t'as qu'à dormir, le métal pour moi c'est la vie. Alors après les gars, je rappelle que je suis limité en termes de musique, je peux pas mettre des musiques, faut que je mette des musiques qui soient libres de droit obligatoirement. Bon, je fais déjà ça. Et puis 8 gigas. Bon, au pire, Roar, tu feras pas Gunner. Hein. Ouais, parce que j'ai mis les joysticks, c'est bon, je les ai ressortis. Eh mais attends, wait, ma gun solo est déjà sur zone? Il nous a pas attendu? Juste avant. C'est sur quelle orbite? Hearthstone. Hearthstone toujours. Ok, ok. Ah là, c'est une belle porte. Vraiment, Papayou, très bien pour du combat. Ouais, on va éviter quand même. Qu'est-ce qu'elle fait, Mako, là? Elle vient de descendre à 9 kilobits, quoi. Ah, c'est bon, ça remonte. Alors, le rework des lumières d'intérieur, je savais pas qu'ils allaient sortir aussi vite, honnêtement, des vaisseaux. Pourquoi être à peu de bord? En soi, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Par contre, je vais pas m'ouvrir, s'il te plaît, le. Merci, l'ascenseur. Moi, j'ai dû déphaser à travers ma porte, moi. Je comprends, je commence à écouter le métal il n'y a pas longtemps. Est-ce que Sabaton, c'est du métal? Ouais, on peut considérer que c'est du métal, en effet, oui. C'est du métal historique, même. C'est des barres de moderne. Que Sabaton, c'est du métal, mais c'est quoi cette question? Bien sûr que c'est du métal. Tout est du métal. C'est du métal. En fait, comme si tu. Dans La main qui tue, qui est un film excellent que je vous conseille de regarder avec des potes autour de quelques bières. Je rappelle, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Mais y a un métalleux et dans le film, il dit bah en fait, le métal c'est comme Beethoven, sauf que c'est en plus fort. C'est rigoureusement vrai. Le métal emprunte énormément au classique. En termes de construction musicale. Thank you. And please visit again. Alors. Voyons. Oui, j'ai fait la moitié du patch. Et oui, 9 cents, vraiment, sérieux. On est d'accord. C'est un peu surprenant, mais pourtant, c'est vrai. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quelle musique classique. Vous tapez le titre sur YouTube, vous mettez cover metal et vous allez obligatoirement tomber sur ça. Sur un truc, une cover metal d'une musique classique. Et ça va donner super bien. Allez, recasé. En fait, en construction musicale, réellement, le metal, le rock de façon générale, et a fortiori, le gardien de la paix avant tout, mais donc le rock et donc par conséquent le métal emprunte énormément à la musique classique. Il y en a une très bien de Bach, la sonate de clair de non, Monata sonate au clair de lune, c'est ça. Voilà, Monata sonata. Et c'est pour ça qu'il y a celle qui dit pas pour rien qu'il y a des compètes de remix métal de Bach, c'est ça. C'est Beethoven, Clair de Lune. Ouais, c'est sonate. Oui, c'est Beethoven. Moonlight. Moonlight Sonata, c'est ça. C'est ça. Moonlight Sonata, c'est. Qui est très bien. Oui, c'est Beethoven. Ou comme on aime aller l'appeler, le Beethoven. LOL. C'est Beethoven. Faut que je révise mes classiques. Mais bon, celle-là en version épique metal, là, ça passe très très bien.
Bon, je vois qu'on est tous au niveau de Aberdeen, à part Roar. Moi, il me reste 5,5 Go. Bon, on fait quoi? On commence ou pas? Alors, attendez, dans ce cas, j'ai peut-être une idée pour la musique. Bougez pas. Attendez. Non, parce que moi, j'ai des idées de musique, parce que, étant donné que j'ai pas mal de concepts de vidéos en tête, à chaque fois, bah, j'ai pas mal de musique en réserve, musique épique. MP3, ils sont là. Ah là, un truc façon X-Ray Dog, c'est bien ça. Ouais, sauf que ça, c'est des musiques qui font 30 secondes, ça, c'est nul. Genre ça là. Alors non, Nintnerov, même du classique, ce n'est pas libre de droit. Parce qu'il y a aussi les droits de ceux qui l'ont enregistré, ceux qui l'ont joué, l'interprété, les maisons de disques. Bernal qui dit, il y a Mozart, l'opéra rock. Alors, ce truc-là, cette pièce, cette comédie musicale est une insulte à Mozart, à l'opéra et au rock. On soit clair. Oui, il y a quelqu'un qui a sauté. Ah bon? Parce que j'ai pris le guide en fait. Ah, la mission, pour moi, elle est perdue, elle est plus là. Ah oui, elle est plus là, putain. Là, ce bordel. Mais dis pas qu'il s'est suicidé. Mais non, il a pas spawné le mec. On a toujours la mission. Ouais, j'ai toujours. On a plus la mission. Non, on a plus la mission, on a plus l'endroit, rien. Ouais. Qu'est-ce que. Bah, putain, elle est dans History, ouais. Elle est validée. Mais dis pas. Mais on a pas l'argent, hein. On a pas l'argent. Mmh. Tout ça à cause de Roar, hein. Putain. Mais non, vous m'avez pas encore attendu réellement là. Là, vous venez juste de faire le rendez-vous, mais vous allez partir, donc c'est pas de ma faute. Mais non. Faut changer de serveur encore, peut-être qu'on l'aura aussi. Faut changer de serveur. Bon bah moi, écoutez, je vais me mettre dans la couchette de mon vaisseau. Hein. Bah, moi aussi. Ouais. Alors vu que moi j'ai pas de couchette, bah je vais me. On peut en arriver virus. Mais t'auras plus ton vaisseau. Ah oui, ça. Donc c'est pas ça. Moi, je rentre à virus. Attends, faut que je vire mes jump point moi. Ouais, peut-être qu'il s'est déjà fait buter. Hein. Peut-être. Moi, parce que moi aussi j'avais la mission, donc il y a peut-être d'autres aussi qui l'avaient. Ouais. Comment c'est possible qu'ils se fassent buter? Bah, parce que il y a un squad qui peuvent venir en même temps. C'est ça. Ah là là, le plaisir. Tout ça parce qu'il fallait attendre Roar. Ah là là. Je suis. Bon bah je me casse hein. Non mais je plaisante. Oh Roar, oh là là. Ah c'est bon, je me casse. En fait c'était un signe pour attendre Roar. Exactement. C'est ça. Tant mieux ta mise à jour. Hein. Il reste plus que 3 gigas mais je sais pas, j'avais commencé à 20 mégabits par seconde et tout d'un coup ça a diminué. Ça peut arriver. Je trouve pas le. Même le launcher est en alpha. Ou alors c'est les serveurs c'est les serveurs qui ont dit attends tu les télécharges trop vite et arrête tes conneries, je sais pas. J'attends tellement qu'on puisse éteindre et allumer les lumières du vaisseau sans allumer ou éteindre les moteurs. Un petit peu comme dans le Mercury Star Runner. Mais moi aussi j'attends. Ça arrive. J'attends ça. T'auras des notions de tu pourras faire fonctionner les lumières en utilisant la batterie et pas le générateur, ce genre de choses, enfin tu vois. Libre. Je vois que Razax est dans les menus. D'ailleurs, au passage, libre de droit là, donc Gilles Stella. Ah, il a pas libre de droit. Oui, il a sorti un CD. Hein. Sérieux? Eh oui. C'est une musique. Donc visiblement Roar, Etihad te dit que c'est quand il y a beaucoup de petits fichiers que ça ralentit le débit. Bah je sais pas, il me dit qu'il y en a qu'un seul fichier, parce que oui, je sais bien Etihad, mais... Après je pense que... I left one, donc... Je pense que là, surtout qu'il est en train de... Il est en train de télécharger et l'installer en même temps. Phase de loading base pack. Ah, bon bah... Merde. Bref, il me reste plus que 2,5 Go, ça va, ça arrive. De toute façon, il faut encore que Audi, Horus et Magoncello se posent. Je suis en train de me poser, moi. Et reviennent sur le menu, donc t'as le temps, je te rassure.
L'Idriss, mine de rien, faut le mériter. Vous pensez qu'à 5 ça va pas passer? Si, si, mais faut juste que, comme je dis, faut le mériter quoi. On l'a fait à 4 une fois. Bah, du coup, il y aura combien de Vanguard? Il y aura le mien, le tien et c'est tout. Ah bah, d'accord. Donc on va perdre quoi. Enfin, va falloir qu'on carry tous les deux, Derko. Bah non, c'est, on a mine de rien avec une taille 5 et 4 tailles de chacun. Ce qui est quand même pas mal, mais comparé par exemple aux constellations qui a 2 tailles 5 et 2 tailles 4, voilà. Ils ont pas taille 10. Ouais, tant pis, taille 9, pas nécessairement. On va y aller vanilla. Ça va être bien. J'ai heureusement des torpilles d'Armbringer pour la fin. J'en ai aussi, j'ai des T5. En point de vie, du coup, il est à peu près 2 millions. Oui, ça passe large. Ça va. Ah, tu viens de Gladiator, Horus. Ror, t'en es où alors? Oui. Plus qu'un giga et demi. En vrai, il tape quand même, j'ai dit, les T5, hein, de ce que j'ai vu au niveau des dommages envoyés, ça tape quand même assez fort. Hein. Bah, ils ont boosté du coup avec le rework des torpilles. Oui, elles ont doublé de dommages littéralement. Ah, cool ça, bien. Dès qu'on a une mission, faut aller sur zone directement, ouais. J'ai craché, mais. Techniquement, je devrais spawn juste à côté de la zone à mission, étant donné que je suis en orbite autour de Ariel, et je vais spawn dans mon vaisseau. Donc ça va aller. Du coup, il y a un moyen d'éviter que l'Idriss nous tire sur nos torpilles. Je veux dire, il y a moyen d'endommager les défenses ou pas? Déjà, il va les flairer, donc les leurrer. Oui, c'est compliqué. C'est une grosse cible, normalement, ça se casse pas. Oh, ils sont... L'IA n'est pas encore assez réactif pour bien esquiver ou détruire les torpilles actuellement. Ouais. Même s'il a été codé pour, les serveurs encore ont du mal à réagir. Ah, c'était que sur le PTU que ça fonctionnait bien, c'est ça? Bon, même sur le PTU, c'était pas non plus... Ah, je sais pas, j'ai vu des vidéos sur Reddit, pas dégueulasse. Hein. Vu les points de vie des torpilles, il suffit juste qu'un seul tire touche. Hein. Oui, mais c'est normal. Oui, logique. C'est alors pour ça que, selon moi, la meilleure défense anti-torpille, ça reste les shotguns. On verra ce que ça donne aussi les... On est tous menus, reste les plus fort. Bah, les flag cannon, c'est plus ou moins la même chose. Hein. Enfin... Pas vraiment. C'est des obus qui explosent à une certaine distance, normalement. C'est ça. Normalement, il y en a même suffisamment intelligents pour exploser avec une excellente proximité. Ouais. Ah oui. Bon, là, je suis sur les derniers mégas. Je vois le décompte diminuer, là. Bien. Bon, à 6, normalement, l'Idriss, il ne va pas tenir. À 6. Il y a Razax, il y a Audi, il y a toi, il y a Horus, et il y a Megan Cello, plus moi. Ah, il n'est pas connecté sur le vocal, d'accord. Et non. Excuse-moi, Megan Cello. D'ailleurs, Audi, t'es plus en jeu? Pardon? T'es plus en jeu? Non, c'est bon, je suis en train de relancer. D'accord. Ah, t'as craché toi aussi en... Non. C'est juste que moi, en fait, quand je... Vu que je... Du côté de Hearthstone, c'est toujours les shaders, il faut toujours la merde, donc... Quand je vais compter, je quitte le jeu. Ouais. Du coup, la mission, quand elle apparaît dans tes missions à disposition, tu as combien de temps pour l'accepter? Avant que d'autres le récupèrent. Hein. C'est ça. D'accord. Pour ça, il faut être réactif. Ok. Parce que le plus simple, sinon, c'est... Je sais pas. T'en es où, Ror? J'en suis à patching, je sais plus quoi là. C'est-à-dire il applique le patch là. D'accord. Il a dit encore 18 fichiers à télécharger. Et on part non, sans toi. Là, je sais pas. Ror, si, Ror aussi, un conseil, si t'as pas joué depuis la 3.11, aussi, c'est de supprimer les dossiers shader dans le dossier user. Bon. Ah oui, non, mais ça, je fais ça à chaque mise à jour. Ouais. J'ai pris l'habitude. Ça me fait jamais de mal. Ce que je trouve dommage avec l'Idriss, c'est qu'il faut être une vingtaine pour le faire tourner, mais à 5-6, on peut l'exploser avec de la patience. Bah, le truc, c'est que pour l'instant, on n'a pas encore possibilité de piloter un Idriss complet, c'est-à-dire avec toutes les toiles qui sont utilisées, etc. Donc peut-être qu'avec des joueurs, ce sera plus efficace pour la défense. Après, l'Idriss, le truc, c'est qu'il est faible contre les petits vaisseaux. C'est d'ailleurs pour ça, d'ailleurs, que l'Hurricane a été créé. C'est pour flinguer les vaisseaux du Gavaliris, bon, certes, avec beaucoup de temps et de patience, si t'es seul.
vont faire ce que disait tout à l'heure Razak, c'est qu'avec un Hurricane, ils ont réussi à le faire en 2 heures, l'Idris. Un Hurricane contre un Idris, voilà. Il y a certaines personnes qui diront, oui, c'est vachement abusé quand même pour l'Idris. L'Idris, tu mets face à un Amaryll, le Amaryll, il fait pas un pli. C'est-à-dire que il y a personne qui ont réussi à piloter l'Idris et utiliser le Railgun sur un 815 jump. Le 815 jump, il tient pas un tiers d'Idris. Le Railgun est violent. Et puis bon, c'est pas une vingtaine, je crois qu'il faut pour un Idris. C'est 8, je crois, non? 8 minimum. Oh. Voilà. Mais dans l'idée, il faut être une vingtaine quand même pour que ce soit le plus efficace possible. Je crois que je me suis fait baiser, j'ai perdu mes fichiers conf de mes OTAS. Donc je serai gunner en finale. Okay. Mais t'as supprimé tous tes fichiers user? Mais non, mais en fait, c'était quand j'étais passé sur le PTU, j'avais tout supprimé comme un con. Ah. Bon bah tu seras en gunner, c'est pas grave, hein. Mais par contre, connecte-toi. C'est en cours. Enfin, c'est en cours. Il finit sa mise à jour, là, ça met 3 plombs. Sérieusement? Je croyais qu'il restait quelques dégâts. Plus que ça. Ah ouais, d'accord. Bon bah, partez sans moi. Ok. Là, c'est bon, il finit, re-télécharge. C'est lancé, là. Les prix des vaisseaux ont changé depuis que les récompenses de quête ont augmenté? Non, il ne semble pas en tout cas. D'un côté, je trouve ça encore heureux parce que bon, moi, je suis une expérience à part parce que je joue, comme je dis, à 4h du matin, enfin 3-4h du matin. C'est pas le même Star Citizen. Ah bah, les PNJ qui réagissent directement, c'est sûr que c'est pas la même. Et les dessins qui sont présents, c'est pas la même. Ah bah écoute, 890 jump, je passe par l'ascenseur. L'ascenseur a à peine commencé à s'ouvrir que le mec il m'a arrosé. Il a tiré entre les portes. Bah voilà. D'ailleurs c'est pour ça que j'ai envoyé aussi une vidéo où en fait c'est sur le Discord qui se nomme la campagne de Battlefield 4 est trop facile, où tu vois les IA de Battlefield 4 qui font exprès de tirer à côté. Et moi je suis en mode, putain quand je vois ça, les gens qui osent dire, bah ça la ramasse les IA de SC. Je l'avais vu, ouais, cette vidéo. Ils sont à la ramasse la plupart du temps, sauf à des heures improbables pour des gens pas forcément très normaux dans leur cycle biologique. C'est ça. Oui, je suis d'accord. Je me sens à peine visé. D'ailleurs, petit tip pour ceux qui veulent le faire tout seul, l'Idris. Faites des allers-retours sur un point de saut. Ça reset les shields de l'Idris et ils mettent du temps à revenir. Merci pour l'info. Oh, ça exploit. Franchement, c'est moche. Ouais. Erreur, qu'est-ce qui s'est passé là, ça... Et ben, c'est ce qui était prévu, c'est qu'il restait d'autres fichiers à télécharger. Hein. C'est ça. Par contre, c'est normal que le chargement soit aussi long pour moi, putain. Bah, moi, ça va. Non, mais oui, je suis con, j'ai pas fait la 3.11. T'as pas fait la 3.11? Mais si, t'étais en 3.11 avec nous. Sur le PTU seulement. Donc? Donc, j'ai plus mises à jour à faire en live. Non. Juste parenthèse, vous êtes sur le jeu là? Non. Oui. Oui. Parce que moi, je suis en chargement infini. Moi, pareil. Bon. Bref, cherchez pas. Vite. Je relance. C'est pas grave. Ah, semblerait que le... Pour le mériter, l'Idris. C'est ça, que les couchettes fassent bugger. Si c'est le cas. Non, c'est pas par rapport à la couchette, normalement. Ah, c'est peut-être ça, hein. Sérieusement. Les couchettes, c'est toujours un peu hasardeux, hein. C'est toi, Audi, qui est derrière moi. Ouais. T'as pas ton casque. Oui, je sais. De toute façon, là, je pense que... On va te faire un déco menu, parce que... Là, avec... Ben, nécessairement, je vais essayer de vous rejoindre. Serveur full. Bon bah, retour menu. Ah bah écoute. Faut le mériter, l'Idris. Faut le mériter. Salut, Charzus. Bonne soirée, ciao ciao. Il reste plus que... Bah, on est bon. On est tout le monde. Non, je regardais s'il y avait des personnes qui étaient encore sur un in-game. On va zioter un petit peu le ligne de code, voir si ça charge comme il faut. Là, ça a de charger.
Warship, de toute façon, ce sera 20h dans tous les cas, Pluffy. À 20h, c'est marqué sur le planning. Hein. Warship. En plus, plus le jeu avance, personnellement, plus j'ai hâte de voir les IA, on va dire nerfées, donc les IA à différents niveaux. Bon, moi, personnellement, j'ai les lignes de code pour pareil. Que je spawn. Spawning bon, bed aussi. J'ai spawné et je suis bel et bien dans mon vaisseau. Moi, pareil. Mais est-ce que t'es bien du côté d'Ariel ou t'es au centre du système? Je veux dire, c'est une fois que je serai descendu de mon vaisseau. Enfin, de ma... Que je serai sorti. Je peux sortir ou pas de mon lit? Allô? Il veut pas que je sorte de mon lit? Équipe Carrie, non. Carrie, non, je veux pas, je veux sortir de mon lit, s'il vous plaît. Ah, juste exit, oui, je suis con. Y, ça marchait pas. Hop, par contre, je vais peut-être équiper mon casque, on sait jamais. Hein. C'est bon, vous avez. Vous à vous lever. Je ne reconnais pas ces étoiles. 12 millions de kilomètres de vous. Donc, centre du système. Je suis à côté de Derko, 70 km. C'est pas grave ça. Ça va aller vite. Ouais. Ça, oui. C'est ce que l'iCache, tout ça aussi, va devoir un tout petit peu mieux gérer. Parce que ça, malheureusement, ce genre de données, c'est un peu difficile pour le serveur actuellement. Hé hey, Razax, on fait la course jusqu'à Hearthstone? Si tu veux, j'ai le XL1. J'adore Aether qui répond, j'ai le même problème IRL. Je rassure, moi aussi, me lever du lit, j'ai le même problème. C'est bon. Et donc, Stan était sans ravi. Donc, Primo, Comlink, Global Chat, on le vire. Contract Manager. Cold Worms, je crois pas qu'on ait les risques là. Je ne l'ai pas personnellement, non. Faut être sur Hearthstone pour savoir. Avec les caches, si on se déco, on va hip-hop au même endroit ou on sera toujours sur des stations proches, au même endroit. Du moins, en tout cas, si tu te mets dans ton lit pour te déconnecter. Normalement. Franchement, le render distance qu'ils ont augmenté, c'est magnifique. Mmh. Ouais, mais après, de quelques performances dans le PC, parce que là, je sens que là, les... 9P, c'est un peu décédé. Moi, je vais me passer à travers une nébuleuse. Tu vas rire, Rudy, parce que moi, je trouve que le jeu tourne mieux. Ah bon? Oui, je trouve que le jeu tourne un poil mieux. Bah après, le truc, c'est que Rudy, il a un matos qui commence à être vieillissant. Je rappelle qu'il fait tourner le jeu sur 970 ou 980, je sais plus. 970. Voilà. Ouais. Et ton progrès, c'est le 4790, c'est ça? C'est ça. Mais ce qui est vraiment le bottleneck pour là, actuellement, c'est la carte graphique. Moi, je pense m'acheter bientôt quand j'aurai le freeze et le stock un 3070. Elle y est pas non. Donc bon bah on va se poser sur HURL1 ou sur Everus Arbor. Je préfère HURL1, c'est plus calme. Bah écoute, je vais venir avec vous parce que bon. Comme ça on partira tous ensemble de HURL1. Peut-être que Roar il aura fini sa mise à jour d'ici là. Ouais, non, m'attendez pas. De toute façon, t'as combien de temps de mise à jour encore qui est annoncé? J'ai encore une vingtaine de gigas. Ah oui, d'accord. Ah 20 gigas encore ça. Installe le gentil. Et non, ouais, Beyrouth, on n'a pas encore fait les risques. Tout à l'heure, on avait les risques qui avaient spawné, mais on attendait Roar et il est jamais arrivé. Et le temps qu'on arrive, bah, le risque a été détruit. Donc on n'a pas pu la faire. Ah, oh, c'est une nouvelle interface. La seule chose qui manque, c'est de plus zoomer quand tu fais monter l'écran. Ouais. Tu peux. C'est possible de le faire. Tu maintiens F, tu cliques une fois sur la molette. Ça bloque en fait le zoom sur l'écran. Ah, comme pour les vaisseaux. Et tu peux faire défiler vers le haut, vers le bas sans aucun souci de zoom.
comme pour les vaisseaux. Ying. C'est un sorte de focus en fait de tes yeux en fait sur le. Je préfère les vrais cus. Alors, c'est bien. C'était une blague du niveau de Odys, hein, les gars. Ouais. Et oui. Et j'ai une notification de Miles Eckhart, mais donc regardez dans le doute si jamais vous avez pas eu un. Non, là c'est. Ouais. C'est des missions. Des petits ah, mais dans le doute, vu comme moi je suis à côté dans le doute. Je vais revérifier, hein. Mais de toute façon, normalement tu. On l'a que autour de toi de la mission, on l'a pas ailleurs. Ouais, bah tout à l'heure je l'avais alors que j'étais sur le point de la grange. Donc. Moi je continue à faire des missions et je vous dis si au cas où, dans pas trop longtemps, on a la mission de Maigris. Hein. Ouais, mais de toute façon, moi je vais faire un retour menu. Ah bon, d'accord. Alors, il faut l'Idriss, point. J'ai annoncé l'Idriss aujourd'hui, l'Idriss aujourd'hui. Merde. Tout de suite, mon sang, bonsoir. Par contre, il va se passer quoi quand on va se déco ou être déco n'importe où sauf dans un lit? J'avais expliqué ça dans une vidéo. Grosso modo, ton personnage va devenir un PNJ et le rôle de ce PNJ, ça va être de rejoindre une zone sécurisée. C'est ça. Mais t'as peut-être un risque de te faire. Voilà. Genre c'est pas exclu que tu tombes face à un astéroïde et que le PNJ qui gère ton vaisseau ne réussisse pas à l'esquiver, ou alors que tu tombes face à des pirates et qu'ils te défoncent la gueule. Et donc quand tu vas te reconnecter, tu vas pas te reconnecter dans ton vaisseau, mais plutôt dans un lit d'hôpital avec un vaisseau qu'il faudra reclaim et potentiellement une prothèse également. En fait, ça c'est pour éviter les personnes qui vont faire des déconnexions sauvages en mode vas-y, je vais faire du dogfight. Oh putain, la vache, je suis en train de perdre. Alt F4. C'est pas ça qui va vous sauver. On va espérer que les serveurs soient méga stables alors. En effet. En théorie, dans le futur, si jamais avec le serveur meshing, si jamais un serveur crash, ils vont directement nous mener à un autre serveur. Ouais. Non, pas forcément. Non, alors ce qu'ils ont dit, c'est qu'on aura toujours des codes 30 000. Dans le sens où on va être déco d'un serveur, on va faire un retour menu. Ouais, mais dans le jeu sauf final. Que... Oui. Ah non, mais même, final, ils disent que même dans le jeu final, il y aurait des risques que ça soit un retour menu. Sauf que quand tu vas te remettre sur un autre serveur, bah, tout l'état du serveur qui vient de crasher est sauvegardé. Ok. Mais c'est gueule, super pas cool ça, donc il faudra vraiment se déco depuis un lit. Donc. Ouais, c'est d'ailleurs pour ça que. Je préfère largement l'Aurora MR au Mustang Alpha. Imagine, t'es en vaisseau d'exploration, ce serait chiant que à chaque fois le PNJ revienne en arrière si tu cherches un nouveau système. C'est pour ça que les vaisseaux d'exploration, la plupart, ont des lits. Voilà. Ça sert à ça. Je veux dire, même le Mustang Beta, qui est le oui. Starter Exploration, il a un lit. Ouais. Et oui. Donc je suis sur le menu, il reste Audi. Et Horus. Moi je vais vous abandonner, je vais manger un truc. Donc, ça marche pas. Bah, bon chance. Bah bon appétit. Merci, alors. Bon appétit à toi. Ciao. Attendez, une seconde. Oui. Ah mais d'accord, j'ai pas compris. Je croyais que vous alliez faire un déco menu définitivement. C'est bon, vous finissez le jeu. Non, en non, fait. Non, retour menu. Oh putain, bon allez, faut que je retourne. Enfin, je sais pas. Retour au menu, j'ai dit je veux faire l'Idriss, donc retour au menu, et puis on relance pour trouver un autre serveur sur lequel il y a l'Idriss. Oui. Bon, partez sans moi et j'essaie de vous rejoindre, d'accord? C'est... Tant pis, c'est de ma faute là. On va pas te lancer en même temps que nous? Non, normalement non. Il reste plus que le Ross. Et si ça relance contre mon gré, bah c'est pas grave, tant pis. Pour moi, t'es toujours sur le PTU. Enfin, sur le PU, Horus. Ah faut que je répare mon gladiateur parce que je me suis posé doucement, hein, de façon normale. Et. Aïe, j'ai perdu beaucoup de morceaux. Tu veux pas le réparer quand tu vas le faire respawn? Dans le doute, je préfère mieux le réparer maintenant. Ok. C'est bon, je peux quitter. Ah là, c'est on est passé de potentiellement 6 à 5, et puis maintenant Odile est en mode ouais, allez-y sans moi, à 4 quoi. Je vais finir tout seul. C'est ça. Non, je suis là.
faire lancer. En effet. Bon, le mien était l'Iris. Hein. Et là, il va nous reconnecter sur le serveur de Audi. Lol. Serveur où il n'y a pas la mission. De toute façon, on va voir. Hein. C'est, quand je vais spawner, j'aurai la mission en haut qui va apparaître. Si elle y est. Si elle n'y est pas, re-retour menu et puis re-mission. Gameplay ouf, Gudin. Le loading est toujours aussi long, quoi. Ah, ça y est, ça charge comme il faut. Ça, c'est toujours le petit détail. Hein. C'est, si vous voyez que l'écran loading, il y a des petits ralentissements, même minimes, c'est-à-dire que ça charge. Et là, ça met du temps à charger quand même. C'est le seul moment où les ralentissements dans le jeu sont une bonne nouvelle. Ouais. Ça a toujours été le cas. Hein. Moi, je me souviens que dans certains jeux sur PlayStation, c'était justement les ralentissements de la petite roue qui disait si jamais tu chargeais ou si jamais le chargement était infini. J'espère qu'on pourra faire des infiltrations un peu comme dans la vidéo Squadron 42 où on sauve l'agent de l'advocacy, mais ça demande de créer des chemins d'infiltration dans les buildings pas évidents. Ben, c'est prévu en fait. Je rappelle, dans l'émission de Squadron 42, enfin l'émission qui parlait de Squadron 42, elle y est pas. On retourne menu. L'émission qui parlait de Squadron 42, il nous montrait donc la station avec différents chemins, notamment des chemins d'infiltration, donc c'est prévu. Oui. Dans Star Citizen, un exemple de vaisseau dans lequel tu pourras faire l'infiltration, c'est par exemple le Mercury. Puis même quand tu regardes dans le Starfarer, t'as tellement de chemins différents pour accéder au poste de pilotage, ça exclut que tu puisses faire l'infiltration également. Après, j'espère qu'il y aura quand même un rework de l'intérieur du Starfarer, parce que c'est très mal agencé. Je trouve pas ça qu'ils mal ont... agencé, hein. Au contraire. Non, d'après ce qu'ils ont dit, ils ont dit qu'ils vont devoir mettre de la place pour des composants, mais bon, vu qu'il y a de la place, bah, c'est pas trop un souci. C'est ça. L'intérieur, ils ont dû pas tant que ça. Peut-être à la limite, peut-être améliorer la signalisation. Après, oui, un vaisseau oui. comme le Starfarer, t'as aucune raison de te faire aborder. C'est pas un vaisseau avec lequel tu feras du combat. Non, voilà, mais c'est pas un vaisseau qui. C'est un débat que j'avais eu avec Colo, un des membres du staff de la team. Qui surkiffe le Starfarer, je relance un serveur au passage. Et il disait, oui machin, je trouve que en FPS, le Starfarer, c'est une tannée à défendre, etc. Je fais, oui mais en même temps, ton Starfarer, tu ne l'amèneras jamais au combat. Donc tu t'en fous en fait que ce soit une tannée à défendre en FPS. Moi, avec le Gemini. Non, même pas, mais de toute façon, le Starfarer, si jamais il se fait aborder, c'est-à-dire que déjà, primo, ton vaisseau a été... c'est-à-dire que l'escorte a foiré, primo. Secondo, que le vaisseau a été immobilisé, que les armes du vaisseau n'ont pas été suffisantes pour défendre le vaisseau. C'est quand même pas mal de trucs qui font que ben, à aucun moment il y a un mec qui va pouvoir s'infiler dans le Starfarer, quoi, faut arrêter de déconner. Alors. Juridiction lieu, oui. Et toujours pas. Je pense que. Toujours pas. Et si, moi j'ai. Si, je l'ai. Ah, ah. Je la prends, je vous la partage. Et on est sur le serveur de zéro tolérance du coup. Oh. Et merde. Ah, ouais, toi aussi. Allez, let's go. Je laisse la porte ouverte. Go du coup. Vas-y. Go lobby. Je vais prendre un sandwich moi. Moi, pas le temps de manger. On y va. Ouais. Bon, je rappelle. Magun, c'est le qui est en chargement, t'inquiète pas, ça va le faire. De toute façon, il faut très longtemps pour le buter donc. Ouais. Je vais foncer directement sur zone, moi. Moi aussi. Bon, bah, j'espère qu'on va pas avoir des hostiles nous arriver dessus. C'est con, hein, parce que si Audi nous avait suivis, il aurait pu nous épauler. Hein. Ah, Audi ? Il répond pas, je crois que je l'ai vexé.
Bon. Ah, il nous a rejoint, il est sur notre serveur, Audi. En fait, il a fait le sneaky, il est avec nous. Ouais, il a bien du sang japonais, il arrive à faire le ninja. Hein. Ouais. C'est un peu raciste quand même, putain la vache. Tombe par la couche à l'eau qu'à la fin de Tom le Brise. Putain la vache. Alors lui, il peut se permettre parce qu'il est japonais, justement, mais bon, ça reste raciste. En théorie, je peux me permettre, j'ai une ancêtre japonaise. Gagner au jeu de gagner un jeu de cartes. C'était une époque. Bon. Terrain glissant, alerte, mais grave. Allez. Go. Allez, mon vaisseau démarre. Merci. Allez, mon vaisseau, Céline. Bon, allez, hop. Donc. Si bon, quelqu'un veut. Je te laisse lancer. Ah, trop tard. Bah, voilà. Si quelqu'un veut partager. Mets tout en avant parce que toi, t'as le profil. Ouais. Simplement que t'avais le lead, donc je te le repartage. Étant donné que t'as le crossfit, je voulais sauter avant toi. Voilà. Bien, merci. C'est à vous qui dit un Montana dans ma game, s'est fait 60 avions et a survécu. Le Montana a une bonne dessert hein, sur Warship. Il a une bonne dessert pour un cuirassé. Que je trouve assez débile parce que normalement dans la seconde guerre mondiale c'était les cuirassés qui avaient plus de défense dessert. Ouais. En même temps, t'as vu le l'espace que t'as sur la coque. Ouais, c'est pour ça. Bon, je m'apprête à sauter sur le Malchrox Arlington. Vas-y, vas-y, bah faites les préliminaires déjà. On verra. Voilà, je vais charger le petit sac. Moi. Allez, musique. Juste, il n'a pas spawné. C'est bien ça. Il va spawner. Ouais, il va tout mettre pour nous. Sur zone aussi. Je vous dirai le nom de la musique après, si vous voulez. Pourquoi je lance des pings, le truc on va le voir. Ah oui, bah tu vois le loin, je crois. Ah oui, c'est... Je crois que tu le vois à 30 km. Je crois qu'il est pas loin de 100 000 en EM. Ouais, il a des pics à 100 000. Là on attend juste qu'il spawn. On va couper la musique en attendant. On va couper la musique en attendant, le temps que qu'il arrive. J'arrive sans zone. Et là il spawn pas, vous imaginez quoi. Oh Snafu, tu connais. Il non, a spawné. Il ah, a spawné. Oui, il a spawné. Allez, clac, clac. Je l'engage déjà. Je lui ai envoyé la petite mise en bouche d'abord. J'ai entendu un bruit de Hellgun, non? Oui, le... oui, il en a un. Ok, non. Je l'avais pas dit pour garder la surprise. Je suis juste histoire d'être sûr, quoi.
Ouais. Oh, punaise. Oh, j'ai bien foutu la... Il est en forme, l'Idriss, quand il est tout frais, hein, donc il faut faire très 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 attention. Mais la AVC apprenistique, elle dure pas si longtemps que ça. Au bout de 2 minutes, il tire plus. Bah, au bout d'un moment, il a plus de munitions. Hein. Oh putain, je suis en face de la gueule. Oui, fais gaffe, ça se voit quand il est prêt à tirer. Je suis en surchauffe. Les flairs durent longtemps. Pourquoi tu veux me viser moi? Merde, j'aurais pas de tir maintenant. Putain, j'aurais pas de tir. Je me suis pris un débris. Je crois qu'il y a des copains. Oh ouais, ah, merde. Arrivé. Je reste au-dessus, je veux bien qu'il y ait... Oros, t'es avec quoi comme vaisseau? Gladiator, tu restes avec moi. Okay. Razax, t'es avec quoi comme vaisseau? Constellation. Bah en fait, il aurait fallu que Odin nous file un coup de main. Attends. Ouais, mais là, je me suis pris un débris. J'ai fait un strafe gauche un peu trop confiant. Alors dites quand vous balancez des missiles, parce que étant donné qu'il fait des contre-mesures en retard, vous pouvez gêner sur... Enfin, vous pouvez me gêner. Voilà. Un petit moins. Moi je balance du missile déjà. Ah c'est classe voir ces missiles arriver dessus. J'ai un bug, j'ai un cutlass qui me fait chier, je m'en occupe. J'allais la voir. Lance des missiles. En théorie, je devrais sortir. Fox Two. Je me fais emmerder par le cutlass. Un Hornet aussi sur toi, j'essaie de l'avoir. Le Hornet me fait moins peur que le cutlass à cause des scatterguns. Et un Flancer Mist. Par contre, je crois qu'il a tiré un missile. Ouh, j'ai vu le projectile du canon. Normalement, ça devrait aller pour le cutlass. Ah bah oui, j'ai vu ça, le missile qui lui est arrivé sur la gueule, c'était classe ça. Bon allez, il est temps de passer à la taille supérieure. C'est bon, vous avez tiré les missiles, il n'y a plus de... Il y a pas de flair. Évite de crier, Oros, s'il te plaît. Désolé. C'est infâme. Désolé. Voilà, un Hornet 2. Je balance une torpille T5. Mais Ror, il est pas là, il est parti manger. Je recharge une T5. Voilà, Hornet, c'est bon. Personne tour. Ah, il a flair. Je balance 4 missiles. Très bien. J'attends un petit peu encore parce qu'il y a encore les flairs. Je rebalance des missiles. Très bien. Au passage, vous remarquerez que le bouclier d'Idriss a le nouveau système, ouais. Nouveau système, ouais. Lance mon dernier missile. Après. On va lancer pour deux. C'est classe, vous voyez, les missiles à tirer. Et 25 secondes. Je balance des missiles aussi. Hein. J'en balance. Ouais. C'est comme si t'as eu 2, mais bon. Moi aussi. On avait 24. Là, c'est mon dernier.
Je passe au dominateur là. Il reste encore 98% de plus. Ça va le faire, ça va le faire. Je cherche son ray gun là, je crois que. Ouais, je crois qu'il y a son ray gun, c'est comme ça. Chargé. J'ai plus de missiles. Hein. J'ai plus de missiles. Canon. Ah, une pierre qui tire dessus. Ensuite T5. Sa rampe commence à être rouge. Je crois que sa rampe est pas rouge. On les voit où ces PV? Tu les vois pas en fait? Faut scanner la cible pour pouvoir le flinguer. Enfin pour pouvoir voir ses points de vie. Moi je vais les recharger et réparer un peu, je suis tout rouge. Vas-y vas-y. Je maintiens la pression dessus. Je vais vous donner un tips, mais c'est très risqué. Si vous voulez être sûr que vos torpilles touchent, il faudrait être frontal. Audi, t'es avec nous ou pas? Je me dirige, je monte dans le vaisseau. Il est en train de se barrer? Impression. En théorie, on est bien plus rapide que lui. Ouais. Tant mieux si ça enlève des débris. Ouais, si ça enlève des débris, c'est une bonne chose. Et Sparkle, là, c'est un Idris qu'on affronte. En gros, c'est un capital ship. C'est une très très grosse bestiole. Si l'Idris se barre, ça veut donc dire que l'Idris Elba en retraite? Hein? Non, je cherche pas. C'est un jeu de mots. C'est Audi, quoi. Je recule pour balancer ma dernière T5. Ah quoi, elle était bien, vas-y, non? Vas-y. Donc, du coup, je vais changer de chip parce que celui-là, il va pas trop bien. Ok, ça fait pas de dégâts. Dernière T5. Il me reste encore des balles. Je ne vais pas savoir à quel point c'est satisfaisant de voir ces T5 en activation, en activité. Ok, mon regard il tient bien. Hein. Et merci Mastriné pour l'abonnement. 18 mois d'affilée, merci beaucoup. Je commence à manquer de munitions, va falloir que... N'hésite pas. Hein. Moi je maintiens la pression constante sur les boucliers, mais je suis pas sûr que je fasse beaucoup de dégâts. Mais... Tiens, un gros cul de lag aussi. Non. Oui, quand tu sors du cockpit, ouais, des fois ça arrive. Ça m'a surpris un peu au début, mais quand on s'y habitue, c'est pas trop grave. Je suis pas sorti du cockpit, je suis passé juste à pas trop loin de l'Idris. Il y a quelqu'un qui vient de percuter, je crois. J'ai un réacteur qui est rouge. Chelou mes missiles, hein. Voilà. Non, normal, c'est ce que j'ai dit, faut demander, enfin, faut prévenir quand on utilise les missiles et les torpilles. En fait, étant donné qu'il fait ses trucs en retard pour les chaffes. Ouais, parce qu'il a du retard dans tous les cas, à cause de bah là, les chaffes, ils étaient, les chaffes, ils étaient déjà partis, là, enfin, il y avait plus oui. Rien. Oui, mais même si jamais ils sont déjà partis, là, quand même, leur émission est toujours là. Même quand le radar du vaisseau ne détecte plus, qu'il n'y a plus rien. Alors je sais pas pour le détecteur, enfin pour le radar, mais si les chaffes sont partis et que tu tires les missiles, bah maintenant... Bah tu vois des petits chevrons normalement donc... Oui.
Bon après, des 5. J'ai déjà ma queue qui est complète. J'ai déjà ma queue qui est complètement rouge. Titre. Deux fois qu'il y a quelqu'un qui vient de me percuter. Putain. C'est bizarre parce que j'ai rien vu de ton côté, Derko. Ça peut pas être moi, j'étais à 1300 mètres de toi. Et après j'ai un bug comme ça qui arrive quand il y a rien autour, d'un coup il fait vite pour mon vaisseau. C'est fini. Ce qui est bien c'est que je vais pouvoir sauter directement sur vous parce que j'ai... J'ai marqué. Après, est-ce que quelqu'un peut le scanner pour voir combien de vie il reste, environ 95. On a fait 95-72. C'est possible. On a fait 3% depuis tout à l'heure. Ça va faire mal. Ça va faire du mal. En fait, on est que 3 là, vaisseau ? 4. Non, ça qui arrive, moi je suis en train de mutuel. Enfin, la vie de du stock qui fuel au milieu des secours. Alors, Ross, tu me disais que les tourelles s'arrêtent au bout de 2 minutes, bah donc. C'est pas moi qui dis ça. Elle s'arrête quand il y a plus de munitions, mais là pour l'instant, il y a encore les munitions. Ouais, bah là, les balistiques aussi, je les. Je les sens bien là. Après, ça doit dépendre des serveurs aussi. Ouais. Bah là, vu qu'on est dans un serveur pas plutôt frais et que le l'Idris, bah. Il était frais aussi. Hein. 4000 de le restock, niveau de notre squad est à 338 000. Je sais pas ce que ouais. Ça vaut. Par contre, je confirme, on est que 3 vaisseaux là. Hein. Oui, j'arrive. Non, parce que d'ailleurs, comme disait qu'on était 4. Parce qu'il me semblait qu'on était 4. Bah, il y avait quelqu'un qui s'était rechargé. Il y a Magusello avec nous. Et toi et moi. Ok. Oh, on va se le faire, l'Idris, c'est obligé. Prévenez-moi quand Oros et Razax vous serez de retour, moi je repartirai pour me réparer rapidement. Je suis en train de sauter, moi. Je suis en train de restock. Toujours à 95-2. Il y a un peu baissé, mais. Ah, j'ai vu le Dragon là. En dessous. Oh. C'est quoi cette torpille là qui vient de manger? C'est un certain Fonzi. Il a plus de bouclier à l'avant. C'est un Agis Redaliator. Ok, on y va. Ok. Bah là quand même, ouais. si on peut entamer l'avant. Là du coup il est à 74%. Ok, c'est le Redaliator qui lui a fait vraiment du mal. Tirer là où il est tombé, il va galérer à le remettre. Ce que j'essaie de faire, hein, je suis en train de tirer vers l'avant. Ouf. Oh, les torpilles T9 là. Ça y est, commence un peu à être. Il rougit bien. 70%. Je change de vaisseau. Vous voyez les boucliers et ils tournent vers le violet, ouais. Le violet. Et donc le rétaliateur là nous a été d'une grande aide là. Ouais j'avoue. En fait ça fait 2 minutes que je me dis est-ce que je décroche et je reviens en rétaliateur. Ah les dégâts là commencent à être bien visibles là. Ouais. Oh putain. Tire qui se prend avec le Tali. C'est insane. Ils avaient dit que les torpilles feraient plus de dégâts sur la 312. Ils avaient pas menti hein.
44% de vie là. Allez, il, y a il est presque mort. Je vais passer sur le sabre. Ils veulent pas restock mon gladiateur. Passer sur ce que je peux en fait. On voit tous les dégâts sur la coque, les impacts, etc. C'est insane. Son Raigun se recharge. Et pour le Talit, c'est son Raigun, pas pour. Ouais. Ouh, il fume de partout là. Ouais, et il s'en va. 37% de vie. Je vais pas le laisser s'échapper. Il est bien rouge, je crois. Ouais, j'ai les armes qui surchauffent à balle, par contre. Ouais. Bien. Bah, je crois qu'en fait ses moteurs sont HS ou un truc du genre. Il a l'air d'être à la dérive, le gars. Ouais, c'est ça, je... bah, s'il tire plus, c'est générateur d'énergie. Bah, il tire encore, hein, je vois. Ou au moins que ce soit. Non, c'est lui qui tire. Oui, ça y est, voilà. Yes. Il a l'explosion, les dents. Ouais. Allez. Allez, putain de Louya, on l'a fait. Ah, c'était beau. Une épave de plus. Bien joué, les gars. Et bien joué, Reta. Le Reta nous a tellement filé un coup de main. C'est insane. J'ai pris des screens. Hein. Donc, qui c'est qui disait « Oui, machin, t'auras pas le temps de le flinguer avant le... » Avant le stream sur Warship, hein? Bon, en effet, sans le retard, on n'a pas réussi. Eh bah, ce fut épique. C'est qui le Reta? Attends. Ah bah, il est déjà parti. Bon, d'accord. On ne saura pas qui est ce mystérieux héros. Non, il s'appelait... Attends, je crois l'avoir entrevu rapido tout à l'heure. Ça rapporte combien cette mission? 225 000 à partager. Là, on a gagné quoi? 22 000? Un truc du genre, ouais. Après, je crois que c'est le prorata des dégâts en fait. C'est ça, ouais. Et bah le Reta, bah là il a bien contribué, donc je pense que c'est lui qui a pris le gros lot. C'est ça, lui qui a raflé la mise. Bon, si on se refait la mission, je sors le Reta. Mais écoute, moi je prendrai le sabre. C'est bien mignon d'avoir des. Après, le Reta pour recharger maintenant c'est 21 000 maintenant. Ouais, pour une mission à 200 000, ça va quoi. Ça va. Ouais, c'est un certain Fonzie. Fonzie Salvage qui nous a. Ouais, bah il est assuré. Je vais refaire le plein parce que là. Et surtout réparer parce que là j'ai le moteur gauche qui est à moitié mort. Zéro tolérance qui est écrit dans le chat. Ouais, il est en train de tendre une embuscade à un joueur. RP comme toujours. 30 000 tu meurs. 30 000 UEC. Hein. Oui, bah oui. Mais ça, c'est la piratrice. Hein. Ouais, ouais. Oui. Wouah, avec ce que je gagne par jour, 30 000, bon, je peux lui donner de données. 30 000 aujourd'hui, tu fais ça en une mission. Bon. Bah, et mon vaisseau grince de partout. Hein. Zéro tolérance, il faudrait qu'il augmente un tout petit peu, je sais pas, 100 000, allez, minimum. Au moins 50 000, tu vois. Comme ça, en deux trucs, il a 100 000 et puis... Bon, après, en même temps, 30 000, tu vois, tu te dis, ouais, bon, 30 000 où je meurs, 30 000 c'est quoi, vas-y, je lui donne. Il fait ça, mine de rien, c'est rentable. Après, 30 000 pour un débutant, ça peut être, bon, un petit handicapant, mais bon. Bah moi, je t'avoue, tu me dis 100 000, j'active l'autodestruction, hein. Je crois que les devs vont réussir leur coup, faire collaborer les joueurs pour le désinguer. Ouais. Puis là, mine de rien, il nous a pris combien de temps le bestiau? J'ai pas fait gaffe. Une demi-heure à peu près. On était parti pour 2 heures si le Reta n'était pas venu, quoi. Ouais. Parce que j'avoue, en 10 minutes, on aurait réussi à les faire 7%, je crois. Bon, on était à 5% à peine, c'était 95% la dernière fois avant que le Reta n'arrive.
Et le Rété, il a tout. Mais la première torpille, j'ai fait oh putain, c'était quoi ça? Et puis t'as dit il y a un retard, je fais oh, ok, j'ai compris. Ah, les T5 sont moins impressionnants, malheureusement. Ah, ça, hein. Derko, je connais le moyen de faire cette mission plus rapidement sans rétaliateur. Tu prends un vaisseau et tu lui rentres dedans. Ramming speed. Ouais, mais bon, c'est pas. Ça, ouais. Ou à faut avoir une. Hier, ça marche pas. Ou à faut avoir une chance de malade pour tomber sur vraiment le critique du Ildris, mais je suis pas sûr qu'il y en existe vraiment. Genre l'Aurora contre le Star Destroyer dans l'épisode 6. Bah, c'était pas un Aurora. Le. Ah, Wing, excuse-moi. Contre le Destroyer contre oui, dans l'épisode ça, 6. Ouais. Aurora, A-Wing, ça commence pareil, fait pas chier, c'est la même. Ouais, bah écoute. Hein. Bon. Bah plutôt pas mal, ouais. En plus là, on est pratiquement... il est... Dans 12 minutes, on passe sur Warship. Le temps pour moi de me poser, de refaire le plein, de réparer, manger, boire un truc, surtout boire un truc parce qu'on perçoit toujours soif. Et on passe sur Warship. Ce fut une très très bonne session. Du coup, c'est quoi la musique que tu passais? Ah oui, c'est vrai. Faut que je donne le nom. 30 secondes. Parce que je me rapproche. Hop. Alors, la musique que je passais, c'était... Intouchable 1 de John Bjork. C'est une musique qui vient de Epidemic Sound, qui est une plateforme qui offre des musiques qui sont... Pas vraiment libre de droit, mais simplement vu que j'ai un partenariat, en fait, t'as le droit de les utiliser si t'as un partenariat directement avec ou si tu payes ta cotisation, on va dire. Attendez que moi j'ai pas un partenariat avec. Non, j'ai déjà. J'avais déjà demandé de me poser. Étant donné que j'ai un partenariat avec eux, parce que sur ma chaîne principale, sur YouTube, elle passe par ESL et que ESL et Pedding Sound ont un partenariat, je peux utiliser leur musique sans aucun problème, quoi. Et sur Twitch? Et sur Twitch, ça devrait aller puisque c'est la même personne. Bon, bon. Par contre, vu les dégâts des T9, je me dis que la Polaris, tu détectes l'Idris, donc rapide, tu tires la torpille par 4, par 4 du coup et c'est fini. Alors, en même temps, c'est le rôle du Polaris. Hein. Donc, moi, ça me surprend pas que les torpilles soient si violentes. Peut-être les nerfer un petit peu, mais. Après, un Idris tout seul, bon, c'est entre guillemets très vulnérable. Hein, ah oui, complètement. Quand on signale bien. Bon, qu'on des auroras, je dis pas. Bon, là, par contre, faut être pas exagéré. Mais sinon, à part ça, voilà quoi. C'est un qu'ils veulent refaire avec les auroras. Full aurora. Ouais, alors. Et avec une vingtaine ou une trentaine, tu sais. Hop, je te l'écris. John. Ah, j'ai quand même. York. Hein. Voilà. Quand même plus de 1000 UEC de restock et de... Ah, moi je vais un total de 2500 à débourser. Les missiles quand même commencent un petit peu plus à piquer hein, pour juste des tailles 1 et de taille 2. Putain, j'aime pas ces gars s'ils m'avaient réparé mon vaisseau en fait. Bah écoute, moi c'est 4000 pour les torpilles et les missiles, plus les munitions. Ça m'a pas réparé. Voilà. Ouais, ça commence à piquer hein, mine de rien. Bon, le seul problème c'est qu'il me les a reparfilés. Donc je crois que je vais devoir les rééquiper manuellement. Bon. Alors, verdict sur le Vanguard. Ouais, il fait le taf, mine de rien. Il a bien tenu. Hein. Et le full énergétique, je confirme, hein, c'était le bon choix. Parce que ça me permettrait d'avoir une pleine puissance de feu. Sans avoir besoin de restock ou quoi que ce soit. Le souci, c'est que les boucliers, tant qu'ils tombaient pas, c'était compliqué, quoi. Bah, c'est grâce à la T9, j'ai l'impression qu'un dégât de T9, ça fait... si jamais le bouclier le prend en AOE, donc l'explosion, pas la torpille en elle-même, ça le fait baisser quand même. Après, les torpilles T9 aussi, il faut qu'ils soient bien dirigés, parce que il se peut que tu vises un peu n'importe comment, et en fait, bah, il entame le bouclier, mais pas tant que ça. Bah là en l'occurrence la première torpille qui est arrivée droit sur le nez, j'ai fait ouf. Là c'est tombé vraiment nickel hein. C'est tombé nickel et le bouclier à l'avant est tombé direct. Dans le futur, ouais. Se prend une T9 dans un Idris, ça va faire flipper.
Ah bah déjà t'as vu rien que le son quoi. Et cette action Philomars, tu viens de louper un combat épique contre un Idris pirate qui était vachement cool. On refera ça certainement un jour. Oui. Mais... déjà faut croire il le fasse, obligé. Et là, on y va préparer full... une bonne musique. Là on va full flood de Reta, tu vas voir en termes de dégâts là, c'est vraiment... Bah il faudra quand même des chasseurs histoire de protéger les retaliateurs. Ouais. Razax, ouais. Razax, lorsqu'on avait... C'était toi qui avais un Reta à l'époque? Enfin à l'époque, non c'était quelqu'un d'autre, je sais plus, avec 5ème. Moi et toi. On avait gagné combien à l'époque? 41 000 non? Dans ces zones-là Bah en fait ouais c'était divisé par 2, enfin par 5, du coup la récompense donc ouais. C'est ça. C'est sympa, ça faisait un mini-event, c'est cool. Ouais, et le truc, c'est que vu que c'est un truc qui est intégré au jeu, t'as pas besoin de t'organiser particulièrement, tu fais que suivre les indications du jeu, quoi. Ça va être intéressant, la mission d'événements dynamiques, là. Des Xenos Threat. On a des news, d'ailleurs, pour quand est-ce qu'ils comptent l'intégrer? Non, ça devait être cette semaine. Début d'année, ils ont pas dit cette semaine. Ok. Mais non, pour le moment, rien. Mais bon. Moi je vais vous laisser là parce que faut que je... Mais ça marche, Ross. La voiture. Et je vous dis merci pour le stream et merci pour le petit combat d'Idris. Bah merci pour le support par rapport à l'Idris, c'était top. Et puis merci d'avoir été là tout court. Ah bah de rien. Allez. Des bisous. Certainement futur Warship, je laisserai le stream en fond. Ça marche. À tout à l'heure alors. Ciao ciao. À tout à l'heure. Mais ouais, franchement, c'était top. C'était bien cool. Merci pour le piou-piou, c'était vraiment sympa. Ah bah, quand tu veux, Magun, c'est loin. Hein, c'était... là, franchement... pas mal. Mais ouais, je pense... T'arrives avec 2 retaliators et 3 chasseurs. Le retaliator sans gunner, quoi que ce soit. Les retaliators s'occupent de l'Idris. Les chasseurs s'occupent des autres vaisseaux. Cette mission, elle doit se plier assez rapidement. Bref, on testera ça la prochaine fois. Je pense vendredi, on va refaire le coup, on va refaire cette mission-là, si on a la possibilité, si on l'a. Alors, on devrait la voir, puisque c'est la dernière d'Arlington et c'est quand même un event qui est pas mal. Et on testera ça avec le retaliateur. En fait, jeudi, tu vas streamer quoi maintenant? The Witcher, j'ai pas fini. Ah oui, c'est vrai. Ah non, clairement, le Tali nous a clairement sauvé la mise. Hein. Le Tali nous a complètement sauvé la mise. Enfin bref. Je vais me déco du vocal le temps de switcher les infos de stream pour passer sur Warship. Donc bah, Razax et Audi, ce fut un plaisir. Et puis, on passer quand vous voulez, de toute façon, comme toujours. Un plaisir également. Bisous. Allez, des bisous. A très vite, ciao ciao. Donc... comme je le disais, on va s'arrêter là pour le stream sur Star Citizen. Je vais faire une pause de 5 minutes, même pas, le temps pour moi de modifier les paramètres du stream pour passer sur Warship, de me resservir à boire parce que je suis à sec, quelque chose de bien. Et puis on se retrouve donc pour du Warship jusqu'à 23h pour un petit peu de sel classique sur Warship, sachant que ça fait pratiquement un mois que j'ai pas joué. En même temps, l'Idris n'avait plus de leurre pour contrer les torpilles. C'est vrai. C'est vrai que nous, on l'a spammé avec les missiles, tout ça, donc... Bref. Je rappelle que le replay de ce stream sera disponible dès demain matin à 8h du matin sur la chaîne d'Airco Replay, que le lien est sous le stream, encore et toujours. Et puis, j'ai tout dit. J'espère que ce petit stream avec ce petit raid contre l'Idris pirate vous a plu. Si c'est le cas, je vous encourage vraiment à me suivre sur les différents réseaux sociaux tels que Twitter, Twitch et YouTube. Tous les liens importants sont sous le stream et dans la description de la vidéo pour ceux qui passent en replay sur YouTube. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, ça prend quelques secondes et ça fait toujours plaisir. Et surtout, comme je dis toujours, n'oubliez pas, prenez soin de vous, amusez-vous bien et à la prochaine. Bye bye.